Loki et Hello ben Matt. comment vas-tu? Eh ben Comment tu ça vas? va, Comment ça va. J'ai ça va? hâte de Donc commencer aujourd'hui l'aventure. petite session, voilà, tout à fait, petite session un petit peu particulière puisque nous allons donc nous engager sur le terrain du best-seller RPG qui est Dungeons & Dragons. Et donc nous allons aujourd'hui explorer hein, quelque part, presque visiter hein, le titre un petit peu phare de D&D pour les débutants hein, de cette franchise, qui est donc la mine perdue de Fenrir. En sachant que ce scénar n'est pas encore traduit en français, du moins que je sache. Donc du coup, moi j'ai la version anglaise, hein, donc aussi au Royaume-Uni. Et donc je vais faire de la traduction on the fly du mieux que je peux. Donc voilà, donne-moi un petit peu de temps si je cherche mes mots. Ça devrait pas te poser Et trop de soucis. ça va être amusant. Donc, comme tu peux le savoir, évidemment, donc D&D, ça se joue évidemment à plusieurs participants, à plusieurs joueurs. Et là, en l'occurrence, ça va être toi et moi. Donc je vais te donner trois personnages hein, pour cette quête, pour cette aventure. Et donc je vais t'accompagner en tant que DM aussi à travers ça. Bon alors évidemment, D&D c'est extrêmement réputé par rapport à ses organisations de classe, ses organisations d'opposants, et puis pas mal de règles à gérer, c'est aussi un petit apprentissage hein, en préparation des aventures à mener. Donc pour un petit peu fluidifier la narrative et puis pour apporter peut-être des petites variantes un peu plus créatives quelque part, on va continuer à utiliser donc le dé oracle. Par rapport à des prises de situation, par rapport à des difficultés, par rapport peut-être à ce que tu pourrais trouver autour de toi, mais aussi peut-être des événements climatiques qui pourraient venir un petit peu ombrager ou un peu shaker ton environnement. Donc, ce que je vais te proposer, c'est simplement, bah écoute, je vais te lancer à même l'aventure et peut-être commencer avant ça, d'ailleurs, peut-être commencer à introduire les trois personnages qui vont faire partie de cette quête, de cette histoire. Hein. Donc, en reprenant mes notes, si je suis un peu mieux organisé, nous avons donc trois personnages. Donc, nous avons Miles Danger, qui est un rogue avec un passé criminel, hein, qui est un halfling, donc qui lui a, on va dire, pas mal de dextérité, d'intelligence, et voilà, il fait un petit peu tout ce que pourrait faire un rogue ou un thief, un voleur. Nous avons, après ça, nous avons notre cher Brian. Attends, bouge pas, parce que je crois que j'ai perdu ma feuille de notes. Ah là, voilà. Nous avons un Brian bien organisé. Nous avons donc Brian Archer, qui est un noble avec une inclinaison neutre et loyale, d'accord, qui lui est plutôt à la recherche de la rémission de son titre de noblesse perdue. Et le troisième personnage qui, je pense, a ton affection toute particulière, ok, Echeral, qui lui est un héros populaire régional qui a confronté quelques brigands, ou en tout cas quelques pirates, donc au niveau de Neverwinter, des ports de Neverwinter, et qui lui a fait finalement bénéficier d'une forme de réputation. Et donc, pour le coup, ces trois personnages vont être au cœur de ton histoire. Que l'on va commencer maintenant. Donc, tu pourras aller jouer un petit peu en fonction de tes envies. Et voilà, j'inviterai un petit peu le dialogue ou peut-être les actions des deux autres au fur et à mesure de notre petite quête. Voilà. Donc je vais commencer simplement pour te donner un petit peu de background et puis on va se lancer là-dedans. Donc l'introduction de l'histoire. Donc j'espère que tu es bien confortable. Petite musique d'ambiance. Allez, on balance maintenant. Et nous allons donc nous plonger dans The Lost Mine of Fandalver. Donc la mine perdue de Fandalver. Alors. Dans la ville de Neverwinter, un nain nommé Gundren Rockseeker vous a demandé d'accompagner un cargo de provisions, donc une charge de provisions, en direction de la ville lamentée, un petit peu asséchée, de Phandalin, à quelques jours de trajet au sud-ouest de la ville. Grunden était clairement excité par ce prospect. Puisqu'il a une espèce de raison un peu plus secrète, un petit peu plus peut-être sous-entendue concernant finalement les raisons de ce voyage, hein, en disant que son frère, en effet, a trouvé quelque chose d'énorme, un truc énorme, okay. Et qui vous paiera tous 10 pièces d'or à la livraison donc de ce cargo de provisions, une fois que vous arriverez en effet à la taverne de Barthen, qui est un petit peu en poste donc dans la ville de Philadelphie. D'accord.
Ok. Donc, voilà, vous vous retrouvez un petit peu tous impliqués dans, ce, dans cette espèce de, d'initiative, hein, donc de Sénat, qui est pour le coup votre employeur. Et donc, du coup, il a besoin de gens un petit peu costauds pour assurer la sécurité de ce convoi, hein, qui sont encore une fois des denrées. Et donc, pour le coup, vous vous mettez donc, en direction de, bah, de cette ville, hein, quelque part. Vous avez un chariot, une charrette avec deux chevaux. Et vous allez commencer un petit peu à vous mettre en chemin. Donc, pour le coup, lui vous dit, bon, je vais passer en avant, en fait, je vais prendre l'initiative, je vais partir un petit peu en devant de vous. Et il est escorté avec une espèce de guerrier, en tout cas une espèce de, ouais, de fighter, de, en quelque sorte, qui s'appelle Sildar Allwinter. D'accord. Pour, et il vous dit, bon, bah, j'ai des affaires à faire, il faut que je m'occupe de mon business un petit peu en amont, tout ça, je pars devant vous. Et donc, du coup, ils partent quelque part, et vous êtes un petit peu, bah, forcément, un petit peu en arrière, un petit peu plus lent avec le poids des provisions que vous devez un petit peu accompagner, et vous partez un petit peu derrière. Donc, pour le coup, voilà, vous passez déjà quelques jours sur la route, et donc sur la grande route principale qui vous amène donc, du sud de Neverwinter vers cette ville-là, et finalement, bon. Pas trop de problèmes jusqu'à présent. Petite question. Moi et Cheryl, est-ce que je connais mes deux acolytes, Miles Danger et Brian? Tu vas me dire, on va lancer un deux oracles et on va voir. c'est ce que je voulais dire. Pour le coup, c'est... Je crois, alors tu vas me faire un D20 pour le coup, il y en a un peu trop pour moi là sur mon écran. D'accord. Un petit D20. Alors pareil, hein. Oui, un 7. Je crois que tu vas être dans du pourquoi. 12. Maybe. Donc pour le coup, qu'est-ce que tu préférais toi? Est-ce que tu veux les connaître d'abord ou pas? Non. Je vais faire leur connaissance. Ça marche, ok. Donc pour le coup, donc on revient là-dessus. Donc ça fait en effet quelques jours hein, comme ça que le... que vous êtes un petit peu en route quelque part, donc je pense que bon, vous avez passé un petit peu peut-être les premières introductions, mais allons-y peut-être à mon son par rapport à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà tu vas me donner un petit élément climatique, j'ai envie de savoir un petit peu déjà à quel moment de la journée on se trouve. Donc tu vas me faire un des 20, pareil, un des oracles, on va dire que le premier tiers, on est matin, midi et soir. Ouais. Est-ce qu'on va se retrouver? Si tu me balances un des 20. Donc ok, bon, on est au milieu de, on est plutôt en fin de matinée. Pour le coup, il est à peu près voilà 10-11 heures. Vous êtes plus ou moins reposé. Vous êtes à travers, on va dire un des terrains de plaine hein, malgré tout. C'est un petit peu en quinconce. C'est peut-être autour de vous, il y a peut-être des petites lignées de forêt, etc. Mais ça reste assez ouvert. Il y a pas eu de danger, même au niveau de la faune autour de vous. Bon, voilà, il y a des animaux sauvages qui vous regardent un petit peu de loin comme ça, vous sentez qu'il y a de la vie autour de vous, mais on va dire, il n'y a rien de spécialement inquiétant. Et je voudrais que tu me jettes un dé pour le climat, à savoir qu'en effet, le premier tiers, tu auras un climat clément, le deuxième sera pour le coup un peu plus pluvieux par moment, et le troisième, du coup, sera beaucoup plus orageux et un petit peu chaotique. D'accord. Ok, donc plutôt clément, donc c'est 5. Plutôt une bonne journée en même temps, tu vois, il y a un petit soleil, quelques nuages, mais bon, ça reste, l'air est assez clair, donc même au niveau de ta visibilité, hein, ça reste assez dégagé, vous voyez bien devant vous, et puis finalement, bah voilà, vous tapez un petit peu la discute. Donc pour le coup, dis-moi un petit peu au niveau de la position, votre position dans le chariot, qui sont les deux qui seraient peut-être en amont de la charrette et qui est celui qui est derrière? Alors écoute, moi je me situerais bien en avant de la charrette, un peu, tu vois, à scruter ce qui arrive, etc., à essayer de guetter, d'avoir peut-être un, tu vois, une, de, enfin, comment on dit, tu sais, voir s'il y a une embuscade, etc., enfin, checker ces trucs-là, je me sentirais plus à l'aise là-dedans, et à la limite, je verrais bien j'aurais bien donné l'ordre au voleur, s'il veut bien faire ce que je dis, de se mettre à l'arrière, puisque lui, je le vois bien sur les trucs un peu plus filous, tu vois. Donc, voilà. Après l'autre, le noble qui est avec nous, je l'imagine bien en train de se prélasser dans la charrette et puis à pas trop se trouver sa place dans le cortège. Donc, du coup,
Tu vois, on est peut-être là à lui demander, putain, mais tu peux pas regarder. Ok, très bien. Bon, bah pour le coup, très bien. Donc, on va aller avec ça. Donc, pour le coup, pour le coup, on avait dit Miles. Miles t'écoute pas vraiment en fait. Il a même pris place, il est à cheval sur le cheval devant toi, enfin sur le côté en fait, un petit peu en quinconce. Il sent plus confortable à d'autres chevaux. Hein. Il aime pas trop l'aplat et les transports trop civilisés pour lui. Il est un petit peu plus rogue là-dessus. Et en effet, le noble est derrière en fait, un peu allongé comme ça dans la charrette, entouré des cajots de provisions. Alors vous avez un peu de tout. Hein. Ça peut être de la nourriture, ça peut être des minéraux, ça peut être même du cuir, des denrées de cette genre-là. Et en fait, il est déjà comme ça à taper dans les provisions, tu vois, se nourrir de ce qu'on appelle les Pink Lady ici, qui sont des pommes assez roses, quoi. Et il est comme ça. Et il dit, mais comment ça, vous avez pas entendu parler du vicomte des Cardil? Non, mais honnêtement, enfin, c'est là d'où je viens, quoi. Je veux dire, ma famille, la duchesse de Cardil était. Ah voilà, extrêmement connu dans cette horizon. Enfin, je sais pas, c'est quand même assez. Enfin, vous venez d'où, quoi? Mais si, je connais. Bien sûr. D'ailleurs, tu connais Pink Lady, qui devait venir de là-bas. Tu veux dire le type de pomme? Non. Attends. Non, la duchesse. Ouais, bon, bah, quelque chose me dit que toi, tu t'es pas forcément aventuré à très loin de chez toi. Bon, et puis même, hein, comment tu connais Gunder? Par contre, excuse-moi de te couper comme ça, hein, mais ça te gênerait pas de jeter un œil derrière, puisque tu vois que Danger, Danger. Ouais. Danger, il est le maïs, il est devant là, toi, mais il a même chopé une espèce de petite spike, tout ça. D'ailleurs, Danger, Danger, ça te gêne pas de quitter ton poste comme ça? Non, mais alors, attends, je t'explique, toi, t'es pas mon boss, quoi. Non, mais t'expliques okay. Rien du tout. Là, on est. Non, on est tous pareils, c'est pas parce que je suis plus petit que toi. Non, non, je parle de tes compétences là, Danger, Danger. Je sais que tu as des compétences que je n'ai pas. Alors, pour le coup. Et tes compétences auraient beaucoup plus grande utilité à l'arrière du cortège, à fermer le cortège, puisque je t'assure, Danger, Danger, qu'à l'arrière du cortège, tu nous apporterais une mais ton expertise est vraiment au-delà de la mienne là-dessus, sur ce genre de choses. Enfin, tu sais, tout ce qui est filouterie et tout. Alors, Danger se retourne vers Brian, fait, mais ça y est, il se prend pour le boss, quoi. Ça y est, on est parti, là, ça fait 2 jours. Absolument pas, loin de moi l'idée de te donner un ordre, mais c'est simplement mettre en avant tes compétences, tu vois. Je veux dire, comment tu t'appelles d'ailleurs déjà? Brian. Rappelle-moi ton nom, Brian. Brian. Brian et sa Pink Lady, là. Voilà, il est en train de mettre en application ses compétences qui sont clairement... Nul. Ouais, bah écoute, j'ai une culture du palais, hein. Je sais quelles sont les bonnes choses à manger. Exactement. Ouais, vous avez été éduqué à la ferme, hein, donc vous n'avez aucun palais, mais je suis très cher ami, vous n'avez aucun palais. Exactement, toi non plus, tu n'as pas de palais, je te le rappelle. Ouais, Danger, Danger. Danger, Danger, j'aimerais en rajouter une couche en fait pour vraiment le pousser à aller checker à l'arrière, enfin je veux dire, tu vois, on ouvre la marche, mais on la ferme aussi, et c'est clairement pas dans mes compétences que de savoir ce qui pourrait y avoir en tête d'assaillants qui voudraient peut-être voler, tu vois, arriver par derrière et essayer de filouter derrière notre cortège. Par contre, tu vois. Envisager une attaque de front, tu vois, un truc un petit peu plus viril. Ça, c'est plus de mon job, tu vois, de ça relève plus de mes capacités. Alors pour le coup, vous êtes comme ça, vous êtes en train de discuter. J'essaye vraiment, tu vois, j'ai bien compris qu'il fallait le faire pousser un petit peu. Donc j'essaye vraiment de le brosser dans le sens du poil, genre ouais, c'est. Vraiment, tu serais, enfin, toi, c'est, t'es un professionnel, ouais.
T'es dans l'optimisation des compétences. Mmh. Donc en fait, vous êtes comme ça, hein, si je te donne une petite cinématique, donc du coup, vous êtes un petit peu à la discuss de ce point-là déjà, quoi, et puis même, on va dire que votre voix porte un tout petit peu autour de vous, donc du coup, même la faune a tendance à un peu se retourner un petit peu, un peu apeurée, tu vois ce que je veux dire. Et tu vois presque peut-être une espèce de vue à travers des broussailles qui pourraient être un petit peu autour de vous, tu vois la calèche qui jamais, mais il y a peut-être un pressentiment peut-être de présence un petit peu qui commence un petit peu à se raffirmer autour du convoi. Et donc du coup Danger, Miles de son prénom, hein, dit bon ok c'est bon, ça va, c'est pas le problème, je me mets en fermeture de transport de peloton. Et donc du coup bon c'est un halfling, attention, parce qu'il va marcher un petit peu moins vite que vous, donc du coup il se met un petit peu comme ça. Garde ton cheval, hein. Ouais, alors pour le coup, alors ok, donc du coup t'as deux chevaux, hein, qui sont en avant de la charrette, hein, ils sont crochés à la charrette. Ok, ouais. Ok, donc du coup lui ce qu'il va faire, c'est que bon, t'as Bran qui est au milieu, qui est en train de se délecter de toutes les provisions que vous avez à apporter, et puis bah, pour le coup Danger va se mettre un petit peu peut-être sur les marches d'arrière du wagon, tu vois, du convoi. Parfait. Nous on va rester un petit peu finalement un petit peu à l'ouverture de, voilà, ça te va? Il est un petit peu sur l'observation 180, d'accord? Ça me va, ouais. Donc ok, très bien, donc du coup vous parlez un petit peu de tout ça. Et pour le coup, si je te donne une autre cinématique, tu vas voir un petit peu ton chariot qui va descendre comme ça. Bon, t'as une espèce de chemin, hein, qui est assez déblayé, qui a été employé par plein de convois, donc c'est un peu de la caillasse et tu vois, de la boue finalement sèche qui est autour de cette vallée un petit peu plus verdoyante de collines et d'herbes comme ça. Et puis finalement, la caméra pourrait un petit peu redescendre comme ça du haut, il vous voit un petit peu arriver. Et alors que la caméra descend, tu vois qu'en face de toi, tu as une espèce de réduction de ce chemin à travers peut-être deux parois, de deux peut-être petites collines ascendantes comme ça. Et au milieu de cette colline ascendante, dans la cuvette finalement de cette crevasse, tu as un cheval mort, ou en tout cas un cheval allongé, qui est lui criblé de flèches. Qu'est-ce que tu fais? Ok, halte-là. Je tire, tu vois, sur les, je tire sur les rênes. Ok. Et je me retourne vers les autres. Chut. Danger. Approche-toi. C'est là que ton expertise va entrer en jeu. Donc, Danger passe, il monte au-dessus de Brian. Brian, par contre. Muet. Je crois qu'on arrive sur une zone assez critique. Hmm. Surtout que devant, si tu jettes un œil un peu plus loin là-bas, tu vois une petite silhouette là. Je pense que c'est un cheval. Au sol. Alors bouge pas. Donne-moi un petit peu de temps. Je vais te... Charisma, constitution, dextérité... Est-ce que tu peux me faire un D20 de perception? J'ai un modificateur ou pas? T'as un modificateur de 3. Six, neuf, ok. Alors pour le coup, tu décris un peu la scène auprès de Danger, qui pour le coup peut-être lui est un peu plus myopique, tu vois ce que je veux dire, il est un peu plus petit, je me suis un tout petit peu plus rapproché, et tu sens que même si c'était une journée assez calme, tu vois ce que je veux dire, bah à un moment donné le vent s'arrête, quoi. Tout s'arrête autour de toi, même les animaux ont tendance un petit peu à d'un coup à rester un petit peu en aguet comme ça, et tu sens que, en effet, tu as ce cheval-là, qui est là, comme ça. Alors, il est allongé. Je vais laisser en suspens le fait qu'il soit mort ou pas. Ça sera, on va voir ce qu'il en est. Mais en effet, tu peux pas contourner finalement ce passage, quelque part. Et tu sens que cette présence, ou ce côté un peu observant, commence un petit peu à se raffirmer. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Brian, je te conseille de rester dans la calèche, de pas faire de bruit. Moi, je suis pas un homme d'action. Hein. Ça... Ouais. Bah ça, on l'avait bien compris. Alors, c'est pas sans moi. On l'avait bien compris, mais par contre,
Pas un mot. Ouais. J'ai complètement oublié. Ouais, ouais, t'avais oublié, mais tu sais là, Brian, ça, c'est critique. C'est critique. Miles, il faudrait que tu viennes avec moi, on va jeter un coup d'œil. Regarde de chaque côté. Est-ce que tu vois quelque chose dans les collines? Moi, depuis tout à l'heure, j'essaye d'observer, mais je le sens pas. J'ai l'impression qu'on nous observe. Et tu vois cette silhouette devant, là, au sol. Un cheval comme ça, allongé en plein milieu de la route. Ça me dit rien qui vaille. Surtout que... Mais attends, c'est des... Il est criblé de flèches. Bon, écoute, ce qu'on va faire, on va aller voir. Là, Brian, ouais, c'est sérieux, je pense qu'on arrive sur une zone dangereuse. Voilà, tu as tout compris. Okay. Tout compris. Donc pour le coup, Brian, tu es responsable des Pink Lady, ok? Ok, je m'en occupe, pas de problème. Ok. Et donc du coup, vous descendez comme ça, vraiment, alors, vraiment... Je pense qu'on va avancer, ouais, on va laisser la calèche, tu vois. Alors, ce qui est pas mal... Et okay. J'aimerais bien, tu vois, avancer à... Enfin, tu vois, pas trop m'écarter de la calèche, mais peut-être, tu vois, m'éloigner peut-être à 10 mètres et puis essayer de, tu vois, d'écouter un petit peu parce qu'avec l'autre qui mange derrière et... tu vois, je voudrais vraiment rester un peu plus loin, tu sais, pour avoir un peu de silence. Rester immobile, tu vois, quelques secondes pour écouter ce qui se passe, si j'entends un petit bruissement quelque part et tout, vraiment être alerte à ça et demander à Miles de me prêter ses yeux, puisque forcément on va essayer de mettre tous nos sens en alerte pour essayer de zoner un peu d'où ça viendrait cette présence. On va pas aller regarder le cheval, hein. J'ai très peu de doutes sur le cheval. De toute manière, soit il est mort, soit il est blessé, mais il est en très mauvais état, soit c'est un appât. Donc je vais certainement pas me rapprocher pour l'instant du cheval. Ok. Donc, écoute, je vais le décider. Le cheval est toujours vivant, mais il est en agonie, quoi. Donc du coup, tu vois qu'il y a vraiment cette espèce de foam autour de ses babines. Il est à même le sol, mais tu sens qu'il gémit, quoi, quelque part. Donc c'est quelque part, ça s'est fait d'une manière assez récente. Hein. Cet événement a peu de temps. Peut-être qu'il vous a passé de quelques minutes. Et il est voilà en sanglotant, donc on y va. Il a 5 flashs hein, qui lui sont dans le flanc. Et il est là, mais il a aussi de son côté, sur son côté, il a aussi des sacoches. Ok. Donc, alors, des sacoches peut-être contenir quelque chose ou pas. Alors, je vais essayer de regarder un truc. Il y a quelque chose qui me tracasse, c'est que je sais que mon commanditaire est parti devant moi avec un guerrier et me précède. Du coup, j'imagine que c'est tout son matériel et que nos chevaux sont attelés certainement avec le même type de cuir ou de sacoche que ses chevaux à lui. Et je voudrais voir si de loin, j'arrive pas à identifier, tu vois, peut-être ce qu'on appelle, enfin, je sais pas ce que c'est, mais la selle ou, enfin, tu vois, s'il y a une selle sur le cheval, est-ce que ce serait de la même facture, en fait, que celle que nous, on utilise? D'accord. Tu vois ce que je veux dire, en fait, juste essayer de voir si c'est de la... Ouais. Bien sûr. Alors, il y a pas mal de similarités. C'est qu'en effet, à la fois sur le, on va dire, sur l'espèce de cheval, hein, vous êtes sur un cheval assez similaire, qui vient de la même région, et en effet, il y a finalement sur les tonneaux et les denrées que vous possédez, il y a en effet le sigle de votre employeur, quoi. Hein. Et en effet, vous voyez que les sacoches qui sont à son côté sont marquées du même sigle. Okay. D'accord, donc il y a une corrélation qui est là. J'aurais pu te faire une perception pour ça, mais c'est, je te la donne. Et en effet, il est possible que ce cheval ait appartenu à l'un des deux, okay. Qui vous a précédé de peu. Et encore une fois, il est possible que ce cheval puisse contenir quelques éléments dans ses sacoches. Mais ce qu'il va faire, donc pour l'instant, donc vous êtes un petit peu là, on va dire un petit peu à mi-chemin finalement. Là, on éveille nos sens, ouais, on est à quelques, tu vois, peut-être une dizaine de mètres, ouais. Voilà, vous observez pour l'instant. Je voudrais que tu peut-être me fasses un. Alors pour le coup, on va dire que les flashs qui se trouvent à travers les flancs de ce cheval ont peut-être quelque chose d'assez spécifique avec elles. Peut-être qu'ils appartiennent à certains
type de personnage, un certain type de tribu peut-être. Il y a peut-être une signature à travers ces flèches-là, mais on va dire que pour l'instant, tu es trop loin pour t'en apercevoir ou pour même en faire une observation quelconque. Pour pimenter un tout petit peu le truc, tu vas me refaire un climatique. Je voudrais savoir si le climat change alors que vous êtes un petit peu arrêté. Si tu me fais un des 20. Une tornade. Donc c'est toujours clément. Hein. 9, ça va. On va dire que depuis l'ouverture, un petit peu l'histoire, quelques heures ont passé. Mais malgré tout, bon, l'air est assez clair. Et voilà, on va dire que l'espace est assez dégagé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner donner un D20 pour l'orientation du vent autour de toi. Je veux savoir de quelle direction vient le vent. En sachant, frontal sera premier tiers, latéral gauche. Ok, donc tu es en frontal. Et donc, en fait, tout ce que tu arrives à vraiment respirer, c'est la pestilence de ce cheval qui est en train de mourir, quoi. Donc, ouais. Quelque part, je l'entends gémir, j'imagine aussi, ouais. Ouais, plus quoi. Donc du coup, voilà, la faune autour de vous maintenant commence à se dissiper un petit peu, et voilà, tout ce que t'as, c'est vraiment les premières vagues d'odeurs nauséabondes de ce cheval qui est sur le point de passer, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire ? Déjà, je voudrais savoir si nos sens, si ça a donné quelque chose en fait, le fait d'écouter, de est-ce que le vent a tout foutu en l'air ou est-ce qu'on a pu pister quelque chose? Est-ce qu'on a... Alors, comme tu es en frontal, on va dire que donc, le vent passe à travers cette cavité quelque part. Donc, vous avez finalement les odeurs et les sons qui amènent à travers cette cavité. Il n'y a rien qui vous interpelle spécifiquement, en fait. D'accord. On va dire que le sens auditif est un petit peu dominé par les gémissements de ce cheval, d'accord? Et puis derrière vous aussi, ces deux chevaux qui sont un petit peu, qui sentent la menace, hein, quelque part, qu'il pourrait y avoir, d'avoir un autre cheval, une espèce de reconnaissance à travers les animaux qui se fait. Et finalement, rien de spécifique vous interpelle. Ce qui est possible, une des options qui pourrait se présenter à toi, un petit peu par rapport à tes capacités de domptage, tu pourrais décider d'abattre le cheval, de un petit peu le laisser partir sans peine, quelque part. Hein. Tu pourrais t'approcher de peut-être le dominer, le faire partir ou le tuer de manière plus rapide pour pas qu'il souffre ou peut-être qu'il alerte d'autres bêtes hein, autour de vous. Ou alors, pas. si tu le souhaites pas. Mais voilà, pour l'instant, rien de plus qui pourrait vraiment t'alerter, en tout cas. Ok. Par rapport à une menace particulière. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais me concerter avec Miles. Miles, écoute, je sais pas comment tu le sens, mais là devant, ça m'étonnerait pas. Ouais, ça m'étonnerait pas que le cheval soit le cheval de l'un des deux qui nous précède. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me fait penser à... Tu sais, l'escorte, hein? Le cheval d'escorte, pas sur notre employeur, mais tu sais, le chevalier, hein, de son propre... de sa propre appellation qui l'escortait. Ouais, ça me dit quelque chose à... Comment il s'appelait déjà Comment il s'appelait? Tu te souviens de son nom ou pas? Écoute, j'ai complètement oublié son nom, tu sais, il m'a pas marqué plus que ça de la même manière que toi. Hein. Non, un peu béant, Sildir, Sildar. 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 Ouais, je crois. C'est ça. Je crois que c'est son chat. Sildar Allwinter. Alors, Allwinter, je te raconte pas quoi. Ouais. Voilà, Allwinter, bon, voilà quoi, mais Sildar, ouais. Mais écoute, on va faire un truc qui va te plaire, je pense. Ouais. On va se rapprocher. Ok. Puis on va prendre des sacoches. Ah ouais. Je pense qu'il avait... je crois que c'est lui qui tenait d'ailleurs notre salaire. Je crois que c'est lui qui tenait notre salaire. Tu te souviens, les 10 pièces d'or. Donc on va regarder ça. Donc déjà, ça c'est pour nous. Alors. Moi, ce que je propose... Ouais. Hein, c'est que... Avec l'autre boulet là qu'on traîne. L'autre boulet. Hein, qu'on est en train de traîner. Ce serait pas trop de prendre un peu de vivre au passage. Donc s'il y a de la viande séchée dans les sacoches, c'est bien. Ouais. Sinon, je me propose de prendre un petit peu de cheval, si tu vois pas d'inconvénient. On se fait une petite grillade. Ok.
Ok, c'est super. Donc du coup, là, ok, vous tapez dans la main, vous êtes opé là-dessus. Et donc du coup, vous vous approchez, hein, comme ça, du cheval qui est toujours, bah voilà, en train d'essayer, tu sais, il commence à avoir des spasmes, de tirer de ses pieds, de ses sabots et tout. Et lorsque tu t'approches, tu vas me faire un jet de perception. Dis-moi un jet de perception, je dois te donner un peu plus d'infos. Tu sais, il a beau m'accompagner, ce Danger. Quand on parle, tu vois, et qu'il s'approche de moi, j'ai vraiment le réflexe, tu sais, de toujours avoir les mains, tu sais, près de mes poches, tu sais, genre, checker le pommeau de mon épée, tu sais, voir si. T'as bien raison, hein. Je suis pas fait dérober un truc. Parce que c'est exactement ce que t'as sur toi, hein. Ouais, voilà. Tu vois, okay. D'ailleurs, t'as remarqué que, en fait, sur le côté de sa. Je sais très bien aussi ce que lui a et ce qu'il n'a pas, donc je. Il a déjà la bague, la dague de garde, Brian. Je le garde. Il est déjà poche. Donc du coup, il a un peu. Je sens que ce Brian ne va pas faire long feu. Et alors, donc du coup, vous approchez, tu vas faire un jet de perception, s'il te plaît, pour un petit peu décrire le cheval plus. Et j'ai un modificateur dessus. Ouais, t'as un 3. Ok, donc 16. Donc du coup, vous approchez en effet du cheval, et en fait tu vois en fait ces flèches qui sont assez bien alignées finalement, donc déjà assez précis en fait de flèches qui arrivent, et en fait tu vois ces flèches là, tu les vois, elles sont en fait les plumes de ces flèches sont un petit peu striées au rouge et noir, d'accord, et en fait tu vas me donner un jet de alors, history, je voudrais que tu puisses me donner un jet de connaissances historiques pour ça. J'ai un mode dessus ou pas? Alors, un peu, attends, pour le coup, bouge pas. Ouais, je vais te le faire pour toi, ça va être plus avantageux, ouais. Donc, tu me donnes un D20 et tu vas avoir un dénominateur de 2. Est-ce que. Ouais, ok, dans ma question, donc 15. Okay. Donc 15. Et en effet, au moment où tu vois ces flèches-là, tu comprends qu'il s'agit d'une horde de gobelins. Ok. Qui sont connus dans la région. D'accord ? Et alors que tu réalises ce qui se passe, tu entends des projectiles qui fendent l'air et qui vont vous heurter. D'accord ? Ces projectiles sont donc... tu vas avoir 4 flèches. Tu vas avoir 2 flèches de chaque côté de cette crevasse qui vont tomber soit à vos pieds, soit qui vont vous heurter. J'ai combien en est-ce que j'ai une bonne dextérité ou pas du tout? Alors, tu vas pas pouvoir faire un saving throw parce que pour le coup, ils vont avoir l'initiative sur la surprise. Ah. Ok. Donc, ce que je vais faire, je vais leur donner une dextérité de 3 aussi. Ok, alors pour le coup, je vais lancer... de mon côté, 4 flèches. Donc, les 2 premières vont être pour toi, les 2 d'après vont être pour Danger, ok? Donc, j'ai un 20. Avec un 20, donc là, pour le coup, tu te fais heurter et tu vas avoir... Je vais faire un des 6. Pleine tête. 4, ok. Donc, tu te prends 4 points. Ok. Pour commencer. Donc là, pour le coup... mon ami, tu te prends, donc tu as 8. Je passe à 8 points de vie, ouais. Ah, donc en effet, la première flèche te plante au niveau du torse, quoi, tu vois, au niveau de l'épaule, et vraiment s'enfonce assez profonde. La deuxième flèche, elle, n'en bouge pas. Oh fuck. 20. Je crois que mon personnage non plus va pas faire long feu. La deuxième flèche, ah, ok. Et est-ce que tu as des personnages de rechange? T'inquiète, ça va le faire. Tu sais, je peux incarner les gobelins après. 3, donc ça te fait 5. Ouais. T'as 5. Maintenant, pour Danger, tu vas avoir... il se plante à côté. Ça lui passe à côté. Et celle d'après, 15, il a combien lui? Il est à 14. Donc ouais, il touche et il se prend une flèche. Il se prend 3 points de vie. Ok.
Donc, lui, il est directement à 6, d'accord? Il a un petit peu moins au niveau 1. Ok, donc ça fait les 4 attaques sur ces deux personnages-là. Qu'est-ce que tu fais? Alors, rappelle-toi, le Danger, lui, il a un arc et des flèches. Il a aussi une arme, une épée courte. Moi, j'ai un arc, c'est ça. Et Tyrell à 20, ouais, qui est un peu plus, qui est un peu plus, qui porte un peu plus loin, d'accord? Et notre ami Brian n'a pas d'arc, il a un javelot, lui, qui peut envoyer à 30 pieds, et qui pourrait peut-être être dans les distances à partie. En sachant que, clairement, vous avez compris que vous êtes dans une sorte d'embûche, et que vous avez en effet 4 gobelins. Deux de chaque côté de cette crevasse. Ok, c'est ça que je voulais savoir en fait, c'était d'où venaient les flèches du coup, et en fonction, je vais réagir tout de suite. Des deux côtés. Donc des deux côtés, et des deux côtés, vraiment, c'est latéral, hein, c'est pas devant de chaque côté, ça vient de droite et gauche. Devant, tu n'as rien d'autre que le cheval. Et en fait, tu as D'accord. cette crevasse qui arrive comme ça, et puis au-dessus, tu as de l'herbe hein, qui monte au-delà des caillasses, et tu en as fait deux gobelins. Qui se sont finalement carapatés, qui sont glissés comme ça un petit peu en position du vent pour pas se faire cramer et qui maintenant vous commencent à vous essayer de vous lyncher. Donc tu as maintenant l'initiative. Donc tu peux décider d'attaquer, de contre-attaquer, de revenir à la calèche, enfin fais ce que tu veux quoi. Alors, ce que je vais faire, ça marche comment? Ça marche par action, genre, enfin, tu vas prendre mon arc et mettre une flèche, c'est une action, ou est-ce que je Alors, peux? non, alors t'as une action et une attaque. Donc du coup, tu peux tirer ton épée et slasher. Tu vois ce que je veux dire? Si ton personnage a plus de 2 coups, ce qui ne sera pas forcément le cas, ici, non, t'en as pas avec. Non. C'est une action par personnage, en fait, pour faire ton combat. En sachant que les gobelins n'ont pas forcément une armure classe extrêmement puissante ou un point de vue D'accord. important, ça devrait pouvoir partir si t'es chanceux. Ok, écoute, je vais tenter ma chance. On est au quoi? On est au niveau du cheval de toute manière. Au niveau du cheval, Le moi. cheval, ouais. Ok, putain, c'est. Ouais, en plus c'est lourd. Non, parce que sinon je me serais foutu sous le cheval au pire pour me cacher, mais et on est à combien de mètres de la. On est peut-être à 20-30 mètres de la calèche. La calèche. Ok. Et Brian vient juste de comprendre ce qui se passe, tu vois. Et donc là, pour le coup, pareil, torpeur, il sait Il pas s'est trop comment étouffé? réagir, quoi faire, et il voit ce qui se passe, quoi. Donc du coup, vous avez les 4 gobelins et vous êtes ensemble, et voilà. Ok. Tu Écoute. pourras le faire jouer sur son action. Écoute. En mode Legolas, hein. Je dégaine une flèche alors. J'ai plus que 5 points de vie. Ouais. Est-ce que j'ai un handicap du coup si je vais dégainer une flèche par mes blessures ou est-ce Non. que j'y vais direct? Par Il y a contre, l'adrénaline, je. t'as une dextérité qui est assez importante. Donc, ce Ouais. que je vais faire, je vais te donner la chance de pouvoir tirer 2 flèches d'un coup. Ouais. Ce serait bien, tu vois, genre double flèche. Tu veux le Donc, tenter? ouais, je le tente, je tente. Bah, complètement, c'est 5 points de vie, je vais le tenter, hein. Ok. Alors, bouge pas. Donc, attends, je vais mettre d'accord sur le sur la sur les le profil des gobelins. Donc, je vais leur donner. Alors, armure classe. Je vais les faire gentils. Je vais les mettre en 6. D'accord? Donc, faut que tu me décoches quelque chose au-dessus de 6. D'accord? Et au Ok. niveau de leur hit points. Je les mets en 3. Faut que tu me chopes un 3 sur un des 6 pour les calmer. Ok, et j'ai combien en modificateur du coup? C'est dextérité à distance, c'est 1d20 plus 3. C'est ça? D20 plus 3. Avec 2 flèches. Donc du coup, ça compte double quoi. Ok, Tu donc. peux les éclater d'un coup si ça passe quoi. Ok. Donc 5. 8. Donc 8. Très bien, tu me lances un des 3, un des 6. Wow! Ok, parfait. Donc du coup, tu me dis comment ça se passe. Tu réussis ton attaque. Donc je fais la Allez, critique. c'est porté sur les deux là? Ouais. C'est porté sur les Je deux, te ouais. tu les as. Ok, nickel. Donc enfin, tu vois, genre, tu sais, c'est une espèce de réaction réflexe, tu vois. Je me suis pris les deux trucs tout de suite, c'est, enfin, mon corps a réagi, j'ai pisté d'où ça venait, du coup, j'ai dégainé vraiment, tu sais, les deux flèches, tu vois, dans l'eau.
Tu vois, tout de suite porté, j'ai même pas eu besoin de viser, enfin, tu vois, je savais très bien d'où ça venait, donc je me suis mis de côté, j'ai lâché mes flèches, et puis là, tu as, t'imagines, tu vois, la caméra qui a suivi les, tu sais, qui était sur les flèches, tu sais, et puis, tu sais, qui était à fond la caisse, tu vois, c'est un peu comme Evil Dead, tu vois, Evil Dead 3, là, tu sais, ça avançait très très vite, truc un peu à la Sam Raimi, tu vois, et puis jusqu'à arriver sur leur tête, tu vois, une espèce de truc un peu gore, genre, tu sais, Et vraiment, tu vois, genre en plein milieu du front pour les deux. Ok, donc du coup, là, pour qu'on se mette d'accord au niveau de la disposition, donc là je le fais dans ta direction, t'as la crevasse, tu tapes ceux qui sont là ou ceux qui sont là, gauche ou droite? Bah, en fait, je vais, par exemple, si je suis si je chute de, tu vois, on va dire que là il y a moi et là il y a Interrupteur. Miles, Ouais. si je suis là, je vais viser ceux qui sont là-bas. Opposé, ok, Tu vois, oui, parfait. parce que j'aurai un meilleur angle, en fait. C'est Ouais, bon, ouais, c'est bon. ouais, Donc pour le coup, en effet, ils se prennent là, genre pleine tête, genre 100 points direct, tu vois, clac, ils tombent comme ça à couvert. Et en fait, les deux autres gobelins qui voient ce qui se passe, enfin, il y en a un qui là, qui est pétrifié, quoi. Sur le moment, genre, fuck, tu vois, genre, on s'est attaqué au mauvais gars. Et donc, il y a l'un des deux gobelins qui décide de fuir la scène et de s'enfoncer dans la forêt. Alors que celui d'après fait toujours face à Miles, et donc pour le coup, ça va être un Miles de jouer. Alors dis-moi un petit peu comment tu veux faire. Il a aussi un arc et des flèches, hein, je pense, Je à la fin. le Ouais, lance pour pour Miles. toi, toujours Miles. Ouais. Ok, est-ce que lui il a du coup un modificateur dessus? Alors, dextérité, Miles a aussi 3. Il est assez bon, mais bon, ses flèches portent beaucoup moins. Ok, D'accord. 7, donc ça, c'est bon, tu touches. Tu 10. n'as fait 6. 10, hein, parce qu'il y a le plus 3. Ouais, 6, excuse-moi, ouais. Et du coup, Un des 6. 1 des 6. 6, pareil, tranquillou, tu me décris la scène. Ah, c'est pareil, c'est. En fait, t'imagines vraiment une scène faite par Sam Raimi, quoi. Et du coup, pareil, t'es caméra qui suit la flèche, tu sais, genre, à fond la caisse, et qui va dans la tête dégueulasse du gobelin et qui l'explose, tu vois, Ok. tu vois, Donc tu suis cette flèche-là, hein, part comme ça, donc tu vois qu'il se retourne, il se jette ça, Elle et t'es va même vraiment lui dans. rentrer, tu vois, dans le nez, tu sais, genre, elle va passer par le nez comme il est en Ouais. contre-plongée, tu vois, genre, par le nez, et tu sais, ça fait un peu un crados, tu sais, ça ressort par le haut du crâne. Parfait. Et donc il s'allonge comme ça, il perd son équilibre, il tombe à genoux, il est même un peu hagard, tu vois, et tu vois qu'il bave. Quand tu sens que ça, Ouais, tu vois, avec ce l'autre nerveux narine et tout, ouais. commence à cligner un peu des yeux comme ça, et il convulse et il s'allonge. Donc pour le coup, parfait. Donc ces trois gobelins sont hors circuit. Malgré tout, un d'entre eux est parti donc sur le, on va dire en position opposée, hein, de l'autre côté de toi, est parti se carapater dans la forêt. Et donc là, Brian sort la tête un peu du chat et fait wow! Excellent! Brian, s'il te plaît, est-ce que tu as des compétences en médecine ou quelque chose? Puisque là, moi et Miles, on est vraiment en état assez critique pour continuer. Et d'après ce que j'ai cru voir en haut, l'un des quatre gobelins s'est barré. Et à mon avis, c'est pas pour rien. Ça va être pour rameuter sa clique. Donc, je t'en prie, si vraiment tu sais quoi faire, tu as de quoi faire ou peu importe, mais là ce serait bien de t'occuper un peu de nous très rapidement parce qu'on va devoir déguerpir d'ici et surtout pas traîner. Bray est vraiment, vraiment en panique là, à ce moment-là, parce que là, il se sent vraiment genre, il met les pieds Ok, c'est dedans pas grave, et Miles. il est là. Attends, il hyperventile un tout Oui, petit peu. oui, oui. Il a jamais été dans l'action, ça c'est la première fois. Et en fait, il commence à chercher autour de lui, autour de la, dans les provisions. Okay? Et donc pour le coup, tu vas me faire un D20 pour savoir si en effet une espèce de peut-être de potion qui pourrait peut-être vous guérir ou une espèce de truc d'incendie. 9. Donc là, on va être sur du maybe. Maybe, ouais. Donc pour le coup, donne-moi trois arguments dans les 5 prochaines secondes qui pourraient justifier le fait qu'il y ait en effet une espèce de potion quelconque. Il y a toujours une trousse à pharmacie dans une charotte.
On est parti quelques jours, j'imagine quand même qu'on a pris de quoi enfin soigner une bête, tu vois, un truc comme ça. Donc parce okay. que du coup on compte sur nos chevaux, donc j'imagine que oui. Et puis j'imagine qu'au pire on doit avoir, on doit peut-être vu qu'on transporte des denrées, on doit avoir de l'alcool ou tu vois, enfin de quoi désinfecter des plaies ou donc du coup. Ok. Voilà. Ok. Très bien. Donc pour le coup, oui. Donc Miles, en effet, trouve des espèces de fioles qui sont pas forcément très labellisées. Il y a peut-être une espèce de mot un petit peu qui fait penser au cheval, du chevalium ou un truc comme ça. Enfin, toi, tu sens que c'est plutôt vétérinaire comme traitement. Mais là, c'est quand on connaît les doses, ça va le faire. Ouais, ouais. Donc, il s'approche de vous comme ça. Et donc, toi, tu as toujours tes deux flèches plantées à travers le torse, alors que Danger Miles n'en a qu'une. Et donc, pour le coup, il te ramène ça, il te ramène avec les... Bon, bah voilà, je pense que c'est tout ce que je peux faire. Les chevaux savent un petit peu ce que c'est, donc du coup, ils se regardent un petit peu en quinconce, comme ça. Ils ont déjà eu l'effet de ce genre de potion. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux le... Écoute, je vais attraper les deux flèches comme ça. Et ouais, tu sais, genre... Et je vais les retirer, tu vois, et j'imagine qu'il va y avoir une petite giclée de sang avec, tu vois. Je pense que là où c'est arrivé, il n'y avait pas d'artère, donc à la limite, tu vois, ça va me prendre un petit peu. C'est arrivé ici, là, ouais, sur les pectoraux, ouais. Ouais, donc je vais... Écoute, ouais, je les retire. J'espère que ça ne va pas trop m'handicaper au niveau des mouvements de bras, tout ça, mais... Et du coup, tu prends la potion? Ouais. Alors, c'est une potion à boire ou c'est un truc à appliquer? Tu sais pas, je le sais pas non plus. Donc, ça va être ta décision qui va... Ok, je regarde la fiole, j'essaye de lire ce qu'il y a dessus. Il n'y a pas assez écrit à la main. Chevalium. Chevalium. Genre, c'est un truc vraiment du vétérinaire des Midlands de Winterfall, quoi. Enfin, c'est basique chez basique, quoi. Miles, t'as déjà vu du chevalium? Est-ce que tu sais l'utiliser? Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, donne-moi Miles. Alors, il a un côté, il a une petite connaissance historique. Ah non, attends, Miles. Il a une petite expérience. Miles, je vais me fier à ce que à ton intuition et c'est soit on se l'applique, soit on l'avale. Mais de toute manière, il va falloir qu'on se le fasse tous les deux. Je lance pour Miles pour son historique. Il fait ouais, en fait, ouais, j'ai ma tante, tu sais, je t'en ai parlé de ma tante, en fait, et en fait, ouais, elle a eu un cheval qui était malade comme ça, et ça l'a mis d'aplomb, quoi. En deux jours, il n'y avait plus rien, enfin, genre, il n'y avait plus aucune blessure, il se portait tout seul, mais je crois... Ok. À boire ou à appliquer? Alors là, il est un peu plus brumeux, tu vois, et... Miles, c'est ça que je te demande. En fait, il est là. Bon, écoute, tu sais quoi? Pardon? Il dit, moi, je pense que je le boirais pas. Enfin, il y a comme une odeur assez quand il a dit ça, j'avais vraiment le petit flacon au bord des lèvres. Alors, pour le coup. Dis-moi ce que toi tu veux faire. On va faire l'oracle après pour savoir ce qu'il en est. Bah écoute, je perdais patience et du coup, enfin tu vois un peu dans la détresse au niveau de la douleur, j'étais parti pour tu vois pour l'avaler. Tu dis que c'était peut-être un antidouleur ou un truc comme ça, donc hop. Maintenant, si c'est quelque chose qui est plus tu vois genre peut-être de l'alcool ou un truc pour cautériser ou je sais pas quoi, du coup. Tu vois, enfin, peut-être qu'en arrivant à Menarin, j'ai senti que c'était très très fort et je me suis dit, ça c'est plus un truc pour désinfecter. Et du coup, tu sais ce que je vais faire mieux. Vas-y. Mieux, attends. Je vais arracher un bout de ma manche, tu vois. Je vais la découper, tu sais, je vais tenir le flacon dans mes dents, découper. Deux espèces de bouts de manche. Je vais les tremper dans le flacon. Et puis, je vais les mettre sur ma plaie et je vais les enfoncer, tu vois, enfoncer tout le ruban, enfin, tu sais, tout le truc dans la plaie. Tu vois, pour éviter que ça, tu sais, pour que ça fasse déjà une espèce de pansement compressif et puis que ça, éviter que ça fuit, tu vois. Et puis, comme il sera imbibé, bah, ça va, tu vois, ça va,
ça va lâcher le truc, et je le fais dans les deux côtés. Donc je m'enfonce en fait deux bouts de tissu dans les trous des flèches, et voilà. Et je me dis que c'est, tu vois, c'est pour, c'est vraiment un truc de, tu vois, genre de voyage. Et puis et quand j'arriverai à destination, je m'occuperai ça vraiment sérieusement, et j'irai chez le médecin. Je me dis que ça va tenir quelques, peut-être, okay. Tu vois, une journée, 24 heures, mais j'ai en tête que de toute manière, il va falloir que j'aille me faire soigner rapidement, quoi. Ce sera... Ok, donc pour le coup, tu t'impliques, tu cautorises de manière un petit peu barbare, hein, vraiment au doigt, ces plaies-là. Mais c'est pas barbare. Traditionnel. Mais pour le coup, en effet, bah, tu sens qu'il y a vraiment une brûlure, quoi. L'alcool rentre en contact avec ta chair qui est vraiment à vif, et les vaisseaux sanguins qui sont sectionnés. C'est extrêmement désagréable, et pour le coup, en effet, tu sens que tu vas commencer à avoir une espèce de crampe au niveau de ton torse qui va impliquer une réduction de ta dextérité. D'accord ? Donc, tu ne vas pas pouvoir bouger aussi. Les bras, ouais, ouais. Voilà. Donc tu vas perdre 2 points de dextérité, je t'en reste 1. D'accord. Et pour le coup, voilà. Et pour le coup, tu sens qu'en effet, l'alcool commence à faire son effet, donc tu as peut-être certainement fait le bon choix, hein, de pouvoir donc l'utiliser comme ça. Et pour le coup, Danger te suit, hein, il fait un peu la même chose, si tu es d'accord avec moi. Et pareil, lui aussi perd 1 point de dextérité, donc il en reste plus que 2. Et voilà, donc pour l'instant, tu es donc à 8 points de vie, et Danger sera, lui, donc à 6, et vous avez 2, vous avez, t'as 1 dextérité, et Danger a 2 en modificateur. Maintenant, l'avantage, c'est qu'en effet, dans 24 heures, tu vas pouvoir tirer un des 6 pour savoir combien de points de vie tu as récupéré. D'accord. D'accord, donc en effet, le chevalium va te remettre sur pied, mais ça va pas être tout de suite, ça va être dans 24 heures. Ok. Donc pour le coup, vous allez être maintenant, donc la scène se calme, hein, quelque part. Tu veux me refaire un dé climatique, j'ai envie de savoir si vous... Alors, tu sais, je suis quand même, c'est ce que je disais à Brian, je suis quand même toujours dans le, tu vois, dans l'angoisse de me dire, il est parti chercher du monde. Du coup, je suis pas trop à m'attarder sur la zone, pardon. Pas trop à m'attarder sur la zone. Ok. De... Est-ce que tu charges dans les sacoches du cheval? Alors par contre, ça oui, on perd pas de vue. Enfin, je veux dire, et je suppose que Miles non plus, mais oui, effectivement, c'est. Enfin, on va même déjà, on va même retirer, enfin, les sacoches du cheval et les prendre entièrement dans notre charrette. Okay. On va au passage prendre un peu de chair sur le cheval, ce qu'on peut, mais je veux pas qu'on s'attarde, donc on va pas se la faire entièrement. Tu vois, on va peut-être découper, alors je m'y connais pas trop, on va peut-être découper 2 pattes. Okay. Tu vois, on va d'abord voilà, tuer, enfin achever le cheval. Je vais le faire, je vais demander à comment ça s'appelle. Je vais lui demander à Miles. Ouais. Mmh. J'ai choisi les prénoms, mais je les retiens pas. Je vais demander à Miles de s'occuper de faire ça, puisqu'il a la dague à la ceinture, dague de Brian. Je vais demander à Brian quand même de venir sur place et de voir ce qu'implique la nourriture qu'on va prendre, et qu'il soit un peu plus respectueux des denrées qu'on a dans la charrette, et qu'il soit pas là à tout gaspiller, et qu'il voit que la viande qu'on va prendre on la respecte. Et du coup, moi par contre, je vais me mettre, tu vois, enfin, à genoux, je vais tenir la tête de la bestiole, et tu sais, un peu en lui chuchotant quelques mots pendant qu'il l'achève. D'accord. Donc en effet, donc ces quelques mots resteront à ma discrétion. D'accord, ça marche. Pour le coup, en effet, alors que tu parles au cheval, même si ce cheval comprend que c'est sa dernière heure, potentiellement c'est ses dernières minutes, avant qu'il lui soit porté le coup de grâce, en fait, il y a une connexion assez intense avec cet animal, et en fait, tu vois presque dans l'œil coulant de larmes de cet animal, il y a une espèce de reconnaissance et presque un remerciement. Tu vois, tu lui retires la peine qu'il a, et quelque part, il te donne presque l'autorisation de le manger. Il y a un truc vraiment du style, le cercle de la vie... voilà, nous ne faisons qu'un, et voilà, je serais honoré de te servir et de faire perdurer ta propre existence. En effet, donc pour le coup, Miles lui apporte le coup de grâce comme ça, mais là-bas t'es vraiment en paix.
et commence, alors tant bien que mal, parce que bon, mine de rien, il y va à la dague, hein, donc forcément, c'est un peu... Je vais l'aider après, hein, je vais l'aider sur le, ouais, sur, okay. Sur le dépistage. Je t'invite à faire l'épée, parce que ça va, sinon, ça, il va vraiment... J'ai une épée à... Toi, tu devrais avoir une épée. Ouais, 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 bah oui, tu devrais avoir une épée. Ok. Attends. Non. Alors, si j'ai pas d'épée, je regarde rapidement dans les sacoches. Si, excuse-moi, autant pour moi. J'ai une épée. Oui, tu as une épée, tout à fait. D'accord. Tu as une épée. Et donc, tu peux en effet lui filer un coup de main et désosser la bête. Alors que tu t'approches des flancs de la bête, donc en effet, tu récupères les sacoches. Et lorsque tu ouvres les sacoches, tu vois qu'elles sont vides. En fait, elles ont déjà été pillées. Il n'y a absolument rien dans ces sacoches-là. D'accord. Écoute, donc, tu vois ce que je veux dire, Miles, tu regardes un peu genre. Ok. Ouais, est-ce que les parois sont pentues vraiment, ou est-ce que c'est un truc que tu peux escalader? Est-ce que c'est un truc que les gobelins peuvent escalader facilement? Enfin, ouais, pas très tout de suite à première vue, ouais. Vraiment, les parois, enfin, se remontent à peut-être 4 ou 5 mètres de chaque côté en soi. Si tu veux, tu pourrais faire quelques pas en arrière et grimper sur les parois sans aucun problème. Et pour le coup, je voudrais bien que tu me tentes un D20 pour me donner un changement climatique. Je dois savoir ce qui se passe au niveau du. Ok. Je voulais savoir en fait s'il y avait potentiellement une autre menace en fait qui avait pillé la. D'accord. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Donc là, alors pour le coup, ça commence à se couvrir un peu, commence à sombrager. Tu sens que l'air commence un petit peu à s'humidifier. Il y a peut-être la promesse d'une pluie qui pourrait peut-être se faire sentir. Donc les vents se lèvent un tout petit peu, et en effet, on va dire que la lumière commence un petit peu à se tamiser par l'opacité des nuages. Mais bon, voilà, ça commence un petit peu à se couvrir. Et donc, pour le coup, bah, si tu veux, tu peux me faire un test de perception pour en effet me faire savoir ou me dire si tu perçois quelque chose d'autre. Ok, j'ai un modificateur sur perception. Ouais, tu as perception, tu as. Tchac, tchac, tchac. Attends, bouge pas. 3. Ok. Donc, pour le coup, tu te mets. Donc, tu remontes un petit peu sur la pente opposée de là où t'as tiré ces gobelins. Donc du coup, tu arrives et tu récupères tes flèches, tu peux même presque looter. Alors là, par contre, tu vois, c'est autre chose, hein. c'est je mets mon pied sur le je mets vraiment, tu sais, ma semelle sur le visage, et j'arrache la flèche, tu vois, je la remets dans mon carquois voilà, tout à fait, tu la remets derrière. Et puis et puis en fait, je te laisse sur le même dé de perception. Tu te retournes et en fait, tu vois en effet que tu pourrais presque. Alors après ça, c'est peut-être une dextérité un petit peu. Je vais pas dire surhumaine, mais t'es peut-être spécialement gifté. T'as peut-être une habileté tout à fait particulière. C'est qu'en fait, tu peux voir en effet tu peux suivre la trace du gobelin qui a fui la scène. Donc tu pourrais voir cette trace de pas. Tu pourrais même sentir un petit peu vers où il s'est déplacé. En sachant qu'il s'est caché dans cette forêt, mais tu peux voir qu'il y a déjà des branches cassées, où il y a quelques traces de son passage qui pourraient peut-être te guider à travers la forêt. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer finalement passer avec ton chariot à travers un petit peu cette embuscade et avancer, ou est-ce que tu veux peut-être partir à la poursuite de ce gobelin-là ou pas? Qu'est-ce qui serait ta décision? Alors, sachant que tu peux cacher le convoi, tu peux le mettre à couvert, tu peux le mettre un petit peu dans la forêt. Ah, c'était ma question, parce que du coup, je suppose qu'on... Ouais. Le convoi, on a un truc, enfin, on transporte uniquement de la... Enfin, qu'est-ce qu'on transporte déjà de spécial? C'est un convoi un peu mixte. Tu as des pots qui vont certainement être utilisés pour faire des vêtements ou peut-être des... Voilà, des produits qui sont faits à partir de cuir. Tu as de la nourriture. Hein, on ne transporte pas un coffre avec un truc spécial, enfin un truc secret dedans ou... Bah, pas qu'on ait encore établi, tu peux me jeter une oracle pour ça, quoi. Mais telle qu'elle est, telle que le convoi a été donné et délivré par Gunder.
Gundern, pardon, excuse-moi. D'accord. Il n'y a pas de signe vraiment d'éléments spécifiques. Ça reste okay. Ça, de l'alimentation des matériaux assez général. Ok, écoute, moi c'est tout vu. Je ne travaille pas gratuitement et je suppose que Miles va être de mon avis. Et là devant, c'est potentiellement notre paye qui a été dérobée. Et du coup, il va falloir qu'on aille récupérer la paye, tu vois. Ok. Si les gobelins l'ont pris, on va aller suivre parce que moi, j'amène pas un chariot comme ça gratuitement avec un risque létal et sans être payé. Donc, je vais aller d'abord me payer. Et puis après on va continuer. Donc du coup j'en parle à mes deux acolytes et écoute ouais je propose alors je proposerais bien à Miles ouais je tu sais, on va le faire à trois on va la camoufler à trois en fait. Je nous vois bien à trois faire le truc tu vois genre on met des petites branches et tout on s'écarte. Est-ce que de là tu la vois, est-ce que tu la vois pas et tout. Puis tu vois, on la cache bien. Par contre, je garde un œil tout autour de moi quand on est en train de cacher la charrette parce que je veux surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui nous devance et puis qui nous voit faire et qui vienne la puter après. Parce qu'on va pas jouer au chat et à la souris entre les. Tu vois. Ouais, donc je vérifie bien et puis une fois que c'est fait, écoute, Miles, là par contre, je me pense capable. D'aller choper ce bip de gobelin. tu vois là, ouais, si tu regardes devant, alors je sais pas si c'est dans tes compétences à toi, mais si tu regardes devant là, moi c'est clair comme de l'eau de roche. Hein. Je vois clairement le chemin. Tu vois la petite brindille là. Là, je sais pas si tu le remarques, mais la branche est cassée. Elle devrait pas être comme ça. Enfin, vraiment, je vois un truc qui potentiellement peut être invisible à un œil non averti. Enfin, tu vois, mais je vois clairement une piste et je le montre que j'en suis mais persuadé et je les encourage à venir avec moi là-dedans quoi. Donc vous camouflez en effet la charrette, donc elle n'est pas du tout visible de la route, hein, des environs. Même les chevaux finalement ont été calmés, t'as pu peut-être les influencer, les mettre un petit peu en sommeil comme ça, ils sont protégés, il n'y a pas de problème. Et donc vous vous engagez à travers la forêt en suivant en effet peut-être les traces de pas, les branches cassées ou peut-être l'aspect un petit peu perturbé de la nature qui a été un petit peu chamboulé par le passage de ce gobelin. Pour me donner un ordre de passage, donc tu es en devant de la formation. Ouais. Tu passes où ? Donc, ok. Donc, on a. Je suis en devant avec l'épée à la main. Echeral à la main, ok. Suivi de. Suivi de Brian. Brian. Et Miles derrière. Miles toujours derrière pour ses compétences. Voilà. Ok, donc pour le coup, un peu pareil que chariot, donc Miles est un petit peu en guet, en clôture de peloton, alors que toi tu avances et tu es vraiment au guet, tout ça. Ok, très bien. Donc pour le coup, vous avancez comme ça pendant peut-être 20 ou 30 mètres, quoi. On avance, tu sais, un peu en mode Rambo, tu vois, genre. Ouais. On regarde un peu tout autour, pas à pas et tout, enfin, tu vois, ouais. Vous êtes en track, hein, un peu comme si vous cherchiez un animal. Ouais. Vous faites des signes de main pour vous calmer, pour vous. C'est pencher. Ça, ouais, c'est ça. Brian, il comprend rien, mais ouais. Brian, il est là, en fait, vous mettez à couvert. Brian, il doit être trop content, tu vois, genre, ah, c'est cool. Il s'est cramé aussi, son armure reflète un peu trop la lumière autour de lui. Enfin, c'est parce qu'il est en armure, putain. Cool. Bah, il est un peu, ouais, enfin, il est noble, quoi, donc du coup. Genre, ouais, ça scintille et tout, ouais. Il a des colliers, enfin, voilà, ça reflète un peu tout ça. Et puis aussi, Brian, il a, comme c'est un peu la première fois qu'il part comme ça, un petit peu du contexte de la ville, du coup il est un peu émerveillé par tout ce qui l'entoure, tu vois, genre les oiseaux, les champignons, il est là, il est en train de pointer du doigt partout, en disant, ah, t'as vu ça, comment ça s'appelle ouais, ça ouais, ouais, t'es, me tape sur la main à chaque fois sur le doigt, mais chut. Okay. Alors pour le coup, tu avances comme ça, alors bouge pas, que je sache où j'en suis, alors bouge pas, t'es là,
Alors, pour le coup, tu avances comme ça, et tu as donc attends, passive perception. Parce que moi, je dois juste me mettre d'accord sur un truc. Passive perception. Tu vas me jeter un des 20. Je vais faire comme ça. Tu vas me jeter un des 20. Ok. Oh merde. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, ouais. 12. Je te mets ton modificateur. Donc en effet, t'arrêtes comme ça et en fait, tu avances comme ça, on est un petit peu au niveau de tes pieds et au moment où t'avances, tu fais le pas suivant, en fait, tu décèles très rapidement une espèce de lasso qui serait au sol et qui serait en effet tendu pour la corde serait tendue à une branche. Genre un piège, ouais. Ouais, et en effet, tu comprends que ça serait un piège. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que simplement... Moi, en le voyant... Ouais, vas-y. J'arrive à voir ce que c'est. C'est un piège, genre je vais me retrouver pied en l'air et suspendu. Ok. Ouais. Est-ce que... Enfin, c'est du travail de gobelin. Bah, ça pourrait être du travail de gobelin. Ok. Tout à fait, c'est possible. Ouais. Ok, je vois rien de plus létal que le fait de se retrouver piégé, la tête en... Enfin, les pieds en l'air, la tête en bas. Non. D'accord. Non. Alors, tu sais, genre... tu vois, il commence à me sentir un peu par les yeux. Donc, du coup, tu vois, je suis là un petit peu, je le vois. Hop. Tu vois, je recule, je fais un pas de côté, je regarde et puis je dis à Brian, vas-y, avance. Ok. Donc Brian avance, ok. Donc là, il a toute confiance. Tu vois, je le fais passer. Et donc, du coup, il est. Ah oh, ouais, genre, et puis il est un peu fier, genre, il va prendre la tête du peloton, c'est la première fois qu'il a un peu de responsabilité personnelle. Et donc, du coup, il avance et en effet, donc, il place son pied dans ce nœud coulant, quoi. Et le nœud se referme derrière lui. Et donc, du coup, la poulie, hein, qui était finalement en accroche dans ses arbres, le remonte. Et le pend comme ça, un petit peu en l'air, quoi, quelque part. Mm. Et non seulement ce qu'il y avait dans les poches, mais aussi tout ce qu'il a, tombe au sol, quoi, autour de lui, dans un petit frac. Quoi. Donc, okay. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Non. Aidez-moi! Oh non! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? Ah bah, du coup... du coup, je vais lui mettre mon épée sous la gorge. Et puis... pour qu'il se taise... on va ramasser toutes les pièces. Okay. Et Miles, aide-moi à ramasser tout ça là. Il semble que notre ami était un peu trop chargé. Et Miles récupère un petit peu ce qu'il y a autour. Il y a des petits bijoux. Il y a genre ouais, des, on fait 50-50. Voilà, et donc en fait, 5 pièces d'or chacun, ça a l'air d'être le bon split quoi. Ouais, et là, ouais. Mais c'était et tu sais, chut, avec l'épée, tu sais, sous le cou. Tu sais, tu récupéreras tout. Hein. On te détrousse pas, mais simplement, tu, maintenant, tu vas te taire. Et puis, jusqu'à la fin du séjour, toi, si tu veux que je te décroche, tu fais vraiment ce qu'on te dit. Ok, juste un ok. 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 Et donc du coup. Bah... Ok. Et là du coup, tu vois, tu sais, j'étais là, tu sais, accroupi avec l'épée sous la gorge, et je me relève, tu sais, très brusquement, et je fais, tu sais, je fais tournoyer mon épée un peu genre en mode hélicoptère, et clac, ouais. je pète la corde qui est juste au-dessus de son pied. Par contre, je le fais assez brusquement pour que Brian se vautre en fait qu'il n'ait pas le temps de mettre ses mains devant. Je veux vraiment qu'il se croûte par terre et qu'il bouffe pour bien comprendre que va falloir qu'il arrête de jouer au con avec nous. Ok, donc du coup tu coupes la corde qui s'était nouée autour de son pied et sa jambe, hein. Et donc en effet il se ramasse mais vraiment à plat, tu vois, vraiment mauvais. Tu vas me jeter un D6 pour savoir combien il a morflé. Alors il s'est fait le coup du lapin, Brian est mort. 2. Donc il est à 10. Hein. Attends, il a 10 points de vie. Et donc du coup, il perd un peu son souffle. Et puis il se remet, tu vois, il se relève comme ça,
Et c'est brou comme ça, et puis okay. T'as... Et puis moi, je le tape, tu vois, dans le dos, tu vas t'en tirer, Brian, tu vas t'en tirer. Et puis, allez, okay. maintenant, chut, et on continue. T'as Miles qui passe comme ça à côté de lui, qui le regarde, fait... Parce que ça, et donc du coup, bah, non seulement il a plus rien qui peut vraiment faire du bruit, vous avez tout ratissé, tu vois ce que je veux dire, mis dans votre palatin, mais en même temps, maintenant il est vraiment penaud, et puis tu sens qu'il s'est un peu pissé dessus aussi, tu vois, genre vraiment le un peu bonnet naïf, il est vraiment, enfin sa fierté en a pris un coup, enfin c'est vraiment pas cool pour lui, il en est un peu affaibli. Bon, alors pour le coup, vous continuez un petit peu comme ça. Tu peux me jeter un autre dé climatique pour savoir si on avance sur la pluie ou pas. Ouais. Ok, bon, bah ça reste, ça progresse très 5. Petitement. Hein, ça reste assez stable, hein, mais malgré tout, tu sens qu'il y a une promesse de pluie qui pourrait un petit peu s'amener. Alors pour le coup, vous continuez un petit peu comme ça. Vous continuez dans la forêt, donc vous êtes un petit peu aux aguets maintenant. Vous comprenez qu'il y a peut-être des pièges qui pourraient un petit peu vous entourer. Et voilà, vous continuez à peu près pendant une quinzaine de minutes. Et tu vas me refaire un jet de perception, s'il te plaît. Donc là, je suis en plus 2, c'est ça ? Plus 3. Ok, donc tu m'as fait un 14. 14. Un 14, je vais être au-dessus d'un... 11 plus 3. Ok, donc pour le coup, ok, donc tu avances comme ça. Et tu arrives un petit peu dans une espèce de partie de la forêt qui est un petit peu plus dégagée. Tu sens que le sol est un petit peu plus homogène, on va dire. Mais ça ne t'interpelle pas forcément. Et en fait, au moment où tu mets ton pied d'avant, le sol se dérobe comme ça. Et tu tombes dans une cavité 3 mètres plus bas. Et tu tombes assez mal, en fait. Tu tombes sur ton flanc. Il y avait en effet un piège qui était là. Une espèce d'attrape animale, tu vois ce que je veux dire, pour chasser un petit peu les sauvages dans le flanc. C'est un piège ou c'est plus un... Enfin, c'est vraiment... C'est un piège, quoi. Où c'est... Ouais, c'est un piège. Où je tombe dans des... Ouais, ok. Il n'y a pas de pic dedans. Il pourrait y en avoir. Il n'y en a pas là, alors qu'il est. Mais c'est vraiment... En gros, tu es tombé dans une espèce de trou hein, qui était un petit peu... Il y avait un faux tapis de feuilles et puis je suis passé au travers. Ouais, ok. T'es passé à un point de perception de pouvoir l'anticiper. Là, ça va pas été. Et donc, tu vas te prendre un des 6 en chute. Donc, si tu me fais un des 6. 6. 6. Et je suis mort. Alors, ok. Alors, pour le coup, t'es pas mort. Je suis inconscient. Inconscient. D'accord. Donc là, à ce moment-là... Donc t'es vraiment mal tombé en fait, et tu tombes dans les vapes, et pour le coup, Miles et Brian sont un peu consternés, ils sont là, et en fait, donc Miles vient te chercher, il arrive à te repousser, Miles te retient comme ça, et en fait, ce que tu vas me faire, alors, pour le coup, ça va tomber un petit peu dans les règles de D&D, c'est pas grave, je vais te l'improviser, tu vas me faire... je vais te le faire comment ? Je vais te le faire en D. Je vais te le faire en D20. Tu vas me faire. En fait, il va falloir que tu réussisses 3. Tu vas me jeter 3 D20. Et il va falloir que tu me donnes consécutivement des G au-dessus de 10. Si tu me fais des G au-dessus de 10, tu reviens à toi. D'accord ? Si tu me fais 3. Ou si tu me fais 3 failures, tu. Là, je pense que tu vas claquer quand même. D'accord. Donc, j'ai 2 pour 1. 15, 7 et 15. Ok, vas-y, relance encore une fois. Fais-moi un nouveau jet. Encore 3 ? Ouais. 14, et 2 et 13. Ok, donc t'as eu en effet 3 G au-delà. Ouais, je crois que c'est bon, je crois que ça fait du sens. On verra sur le replay, mais je te le dis. Okay, donc, du coup, t'es là, tu fries un tout petit peu des yeux et tu vois en effet, tu as Miles et Brian qui te regardent comme ça, et ça, mais un peu flouté, un peu observé. Et puis tu retournes dans les vapes, tu reviens un petit peu à toi. Et en fait, on va dire que le temps se déforme un petit peu autour de ce personnage-là. Et tout ce que tu réalises, c'est que finalement, tu es porté sur les épaules de Brian. Tu es mis comme ça sur sa carte qui est un petit peu plus importante que la tienne. Et que c'est lui maintenant qui va te,
t'accompagner, quoi. D'accord. Tu vas pouvoir, si vous décidez, vous allez peut-être pouvoir vous reposer, pour le coup. Peut-être manger, faire une halte pour vous remettre d'aplomb. Et tu me feras un D6 sur le nombre de points que tu vas gagner, en plus de ta rémission médicale. D'accord, des... je suis sur le dos de Brian maintenant, mais je suis conscient. Bah, t'es conscient, mais t'as juste survécu le truc, quoi. Donc, du coup, d'accord. T'es quand même bien atteint. Je peux pas réagir, je peux pas faire quoi que ce soit sur son dos. Non, là, t'es franchement vulnérable, quoi. D'accord. Tu peux pas te défendre, tu pourras rien faire. Ok. Donc, soit vous passez la nuit dans la forêt et vous attendez le lendemain en essayant de dîner ou d'essayer de vous remettre d'aplomb. Soit vous continuez, c'est comme vous voulez. Bah, écoute, je vais laisser mes collègues décider, mais moi, je serais d'avis de. Il y a quand même pas mal de pièges dans cette forêt. On est clairement en territoire hostile. En fait, on s'approche certainement soit d'un terrain de chasse, soit en tout cas, on n'est pas très loin certainement de là où habitent les gobelins. Du coup, de là à passer la nuit là. Alors, je sais pas s'il chasse de nuit ça dépend quelle heure de la journée il est, tu vois, si on arrive en fin de journée. Là, vous arrivez, vous êtes bien entamé dans l'après-midi, il est peut-être 5 ou 6 heures, c'est pas la nuit, quoi, mais on va dire que le soleil va pas tarder à décliner, voilà, il y a encore cette masse nuageuse, ça peut être peut-être une nuit humide, peut-être pluvieuse même, tu vois, donc pour le coup, c'est pas vraiment, voilà, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez vous mettre à l'abri. Tu peux me faire un oracle en fait, si on est payé. Écoute, je serais bien d'avis de se mettre à l'abri, mais en même temps, tu vois, il est l'heure où les animaux vont commencer à sortir. Enfin, je sais pas après, tu vois, si c'est l'heure où les animaux vont commencer à s'activer, et du coup, où la chasse est ouverte, et du coup, où les gobelins sont potentiellement de retour sur place. Ok. Du coup, je laisserai bien mes collègues décider en fait. Enfin, je t'avoue, je suis. Pour le coup, Brian, lui, il est un peu poltron, donc il a pas vraiment d'avis. Il a relanqué toute espèce de leadership à toi et à Miles. Et Miles, tu regardes, si tu veux, avec un air un petit peu inquiet, un peu partagé, parce que pour le coup, non seulement il a envie de trouver ce gobelin, tu vois ce que je veux dire, et de voir ce qu'il en est, mais en même temps, il comprend que t'es pas forcément en état. Vous avez lié des liens, quand même, au cours des 3 derniers jours, qui lui inspirent un certain niveau de loyauté. Et donc, pour le coup, il va œuvrer, en fait, il va décider qu'en effet, vous allez trouver un abri qui va faire le guet, au cas où. Mais il va falloir que tu sois un petit peu remis d'aplomb, que tu puisses te requinquer un tout petit peu et que tes plaies et que tes blessures soient soignées. Donc du coup, il regarde un petit peu autour de là, et puis en fait, il voit l'entrée d'un amas de pierres dans la forêt, hein, comme ça, qui sont un petit peu en craquant, ce qui peut vous abriter en effet de la pluie, mais aussi un petit peu vous protéger de votre entourage, qui est une espèce de crevasse, une espèce de grotte très, très, très peu profonde, mais juste en dessous de cette pierre qui peut peut-être vous abriter. Ouais. Et donc, du coup, il dit à Brian, on va se mettre là ce soir, et... Alors qu'il te met comme ça sur le côté, hein, il te met sous des couvertures, il commence à faire un petit feu, rien de très puissant, mais juste comme ça. Un petit feu enterré pour pas qu'on soit visible, ouais. Voilà, et il commence à faire cuire un tout petit peu, mais alors vraiment gentil, quelques lanières de cheval, il te la donne, hein, il te nourrit, donc toi tu commences à digérer tout ça quelque part ou à t'alimenter. Et puis Brian, pour le coup, avec son javelot, enfin, du coup, se montre un petit peu plus, on va dire, impliqué. Tu vois ce que je veux dire, son tour de garde devient un truc un peu plus important pour lui. Il essaie de trouver un peu sa place dans le groupe et essayer de se faire un petit peu, se rendre un peu utile, quoi. Et donc, pour le coup, tu t'endors, pas rassasié, mais avec un petit peu de ventre, d'alimentation dans ton ventre. Et finalement, tout ce que tu vois, c'est vraiment ce bout de pierre et puis c'est ces arbres qui s'élancent vers le ciel et ce ciel de constellations qui passe comme ça. Et le ciel s'accélère quelque part, le soleil se lève, traverse les feuillages et on revient sur vous comme ça. Et tu te réveilles et là, tu vas me faire donc 2 D6, un D6 pour la couverture de tes plaies et un D6 pour ta remise en forme. Je vais être cool. Ah là, c'est super cool là. T'as gagné 6 points de vie, 5 points de vie, donc du coup tu es à 5, hein, ok, donc bon,
plus ou moins comme la sortie des gobelins. Donc, ouais, juste avant ma chute, ouais. Tu me refais, tu me fais un des 6 pour Miles. Hein, donc lui, il a 7. Et tu me fais un des 6 pour Brian. 5. Donc lui, il est à maximum, il s'est remis de sa chute. Toi, tu es à 5 et Miles est à 6. Cool. Donc du coup, vous vous réveillez comme ça, vous tout de suite vous enterrez les cendres hein, de votre campement et puis vous remettez un peu sur place. T'arrives à te remonter un petit peu, tu sens que ça va, le plus dur est en train de passer, tu boites un peu, donc du coup Miles te donne un peu la béquille, même il te donne peut-être même hein, une espèce de branche sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Et alors que vous sortez un petit peu de ce campement improvisé, vous entendez à quelques mètres de là, ça vous a pas forcément inquiété ou même tenu en éveil, mais vous entendez un cours d'eau, en fait, peut-être même une rivière qui se trouve à la sortie de cette forêt-là. Et alors que vous allez vous approcher, vous sortez de cette forêt et en effet, vous continuez à voir finalement les traces de pas qui sont malgré tout restées assez fraîches et qui s'engagent pour traverser cette rivière. Et opposé à cette rivière-là, vous avez en effet encore un petit liseré de forêt. Et puis derrière, vous avez des falaises assez hautes qui montent comme ça. Une espèce de peut-être de montée montagneuse, mais une falaise assez abrupte. Et voilà. Et donc du coup, il se trouve que c'est... Ces traces de pas auraient pu traverser peut-être la forêt dans cette direction, en tout cas dans la direction opposée de là où vous êtes pour l'instant. Bah, de toute manière, on va y aller puisque on n'a pas fait tout ça pour rien et puis on est toujours dans l'idée de récupérer notre paye. Donc ouais, clairement on y va quoi. Ok. Donc pour le coup, vous engagez un petit peu pour. Pour traverser cette rivière, avant qu'on y aille, tu vas me donner un jet climatique pour voir quel type de climat on a fait maintenant. Ah mais il fait très très beau. Ça va, ça reste clair. Elle va arriver cette tornade. C'est un matin de fraîche rosée. Et tu vas me donner un autre D20 pour savoir un petit peu la virulence de cette rivière. J'aimerais savoir si elle est en effet assez calme ou si elle est... Allez, assez tourmenté, d'accord. Donc c'est une rivière qui a assez de jet, d'accord, qui pourrait faire une descente peut-être de montagne, tu vois, qui est assez chargée, qui est assez malgré tout assez puissante, mais qui peut-être avoir un certain nombre de pierres ou de passages. Tu vas, vous allez vous approcher un petit peu de justement cette rivière pour savoir comment vous allez la traverser. Tu vas me faire un jet de perception. Alors est-ce qu'on a une corde de 15 mètres dans le sac? Alors bouge pas. Tu as t'as du bol. En fait, tu cherches comme ça un petit peu dans ton pactage, tu vois qu'en effet, t'as une corde de 50 mètres. Ouh, ouais. C'est là quand même de la grosse corde, quoi. Qui est en effet à ta disposition. Et là, en comprenant un petit peu ce que t'as envie de faire, Brian sort de sa coquille. Et tu dis, hey, tu sais quoi? On peut l'attacher à mon javelot. Et je pense qu'on peut peut-être même atteindre un des arbres de l'autre côté et puis peut-être faire un chemin de corde. T'en penses quoi? Écoute, j'en pense que Brian, tu commences à mériter ta place parmi nous. Ça me paraît pas mal du tout comme idée. Merci, merci. Et tu baisses un peu les yeux comme ça et puis... Ouais. Okay. Ça me paraît pas mal du tout. On part là-dessus. Ce qu'on va faire, donc tu vas jouer Brian, d'accord, avec ses modificateurs. Donc tu prends le javelot, vous avez en effet 30. C'est quoi le javelot? Il a combien? Je crois qu'il devrait avoir. Ouais, ça devrait. Je vais le faire passer sur la rivière. Combien de fait de largeur la rivière? Elle fait à peu près 25 mètres, 25-30 mètres. D'accord. Ah oui, ça c'est large. Ouais. Le jet porté pourrait en effet atteindre l'autre côté et s'amorcer dans un arbre, mais il va y avoir
On va le faire, je vais lui donner une difficulté de 75%, d'accord ? Je ne vais pas te la faire. De toute manière, on va bien accrocher la lance. Si jamais ça foire, parce que j'imagine que ça va être très très lourd, enfin une lance plus la corde, enfin 30 mètres de corde à balancer, on va... pardon. Non, c'est vrai. On va lancer le... On va lancer le javelot et puis je me dis que de toute manière on a l'autre bout de la corde si jamais ça tombe à l'eau et que par chance ça ne se coince pas entre les rochers, on va pouvoir tirer et retenter un jet. Si jamais ça déconne et suivant l'épaisseur de la corde, au pire je tenterai un coup de tir à l'arc. Si jamais ça peut porter la flèche, voilà, je tenterai ça en second. Mais je laisse tenter Brian déjà pour qu'il nous montre un peu de quoi il est capable et puis qu'il se sente un peu méritant et impliqué. Ouais, ouais. Ok, donc je vais te donner 75% de difficulté dessus, d'accord ? Donc tu vas me lancer un des 20 et pour que ça amortisse, ça arrive dans un arbre et que ça soit passable, hein, quelque part, que ce soit réussi, il va falloir que tu me donnes un jet entre 16 et 20. Easy. 16, enfin, 10. 10. Tu rajoutes la dextérité de Brian. Brian a moins 1 en dextérité, malheureusement, donc tu tombes à 9. D'accord. Donc bon, le truc flop, quoi. Clairement, il s'attend au milieu. Et donc, du coup, Brian essaie de la rattraper. Je te la donne. Brian, c'est pas grave. Tu sais, c'est quand même très large. Laisse-moi aussi. Encore. Je peux te montrer. Ok. Relance. Je crois que je me mets en avant, tu vois, je croise les bras, en arrière. Et je m'assois peut-être même sur un rocher. En le regardant faire, tu vois. Je te promets. Vas-y, relance. On va voir si ça passe. 16, moins 1. presque. De l'autre côté, et en fait, ça arrive vers un arbre et ça fait... Ça tombe, le javelot ne se plante pas, et donc du coup il la ramène. Non, attends, fais-moi confiance, ça peut passer maintenant, je te promets, ça passe. Brian, j'ai une idée. Quoi ? Je vais prendre mes flèches. Ouais. Tu sais, je suis très bon en tir à l'arc. Je vais tirer, et puis je vais essayer de planter chacune des flèches, tu vois, dans l'arrière de l'autre flèche, de manière à créer un pont. Qu'on puisse passer. Ok. T'es con ou quoi ? Retente ton javelot. On retente ? Ah bah oui. Okay. Alors pour le coup, vas-y, jette-moi le javelot, déjà. En fait, le javelot se lance et pff, ça y est. Donc là, on l'a bien motivé, on l'a piqué un peu dans son, tu vois, dans son. Sa fierté. Ouais, dans sa fierté. Je crois que la dernière était nécessaire. Voilà. Donc il est bien armé, il est bien amorcé, et donc du coup vous allez retendre la corde qui est même un peu mouillée, mais vous allez pouvoir l'attendre sur peut-être un arbre en quinconce, quoi. Et donc pour le coup, vous allez commencer à, entamer votre progression à travers la rivière, d'accord ? Sachant que la rivière a des rouilles, c'est une rivière qui est même assez sonore, qui a pas mal de cacophonie, d'accord ? Oui. Alors qui est-ce qui passe devant, qui est-ce qui est au milieu, qui est-ce qui passe derrière ? Où est-ce que vous passez ? Ah, je vois très bien Brian, tu sais, Spider-Man, l'homme qui va vite. Suspendu à sa corde. C'est ça. Tu veux quoi ? Est-ce que chacun passe après l'un après l'autre ? Est-ce que vous allez vous trois ensemble au même moment ? Écoute, je pense que le plus léger va passer devant. Ok, donc ça va être Miles. Donc Miles, je te propose de passer devant. Une fois arrivé de l'autre côté, tu t'as compris, hein, tu sécurises la corde. En réalité, tu vas simplement la détacher du javelot, faire le tour de l'arbre et la sécuriser pour que nous, on puisse traverser derrière. Ça te va ? Ok. Donc pour le coup, ce que tu vas me faire, on va faire une difficulté. Bon, allez, on va se la faire en easy pour la traverser. Donc pour le coup, tu vas me faire lancer un des 20. Ouais, attends, je vais même essayer un truc, tu vois, genre sur le chemin.
J'imagine que doit y avoir du saumon ou je sais pas quoi, enfin du poisson qui remonte. Et sur le chemin, tu vois, le truc qui serait méga classe, c'est que j'arrive de l'autre côté avec un poisson piqué sur mon épée. Ça se tente. Ça se tente. Donc je le Alors, tente très bien, tu vois, garde-le-moi. c'est un peu acrobatique, c'est. Alors, garde-le-moi. Ce qu'on va faire, on va faire passer Miles d'abord. D'accord? Alors, est-ce que tu veux que Miles s'accroche sous la corde ou est-ce que tu veux qu'il passe en funambule au-dessus? C'est un halfling, donc il a un pied beaucoup plus léger. Il est aussi beaucoup plus. Il a beaucoup plus de dextérité. Donc, il Ah, pourrait presque. C'est un criminel, hein? C'est un stealth mode, hein? Donc, du coup, il pourrait passer en équilibre ouais. au-dessus de la corde plutôt que passer en dessous. Bah, là, je le laisse faire. Hein. S'il est chaud pour le faire, s'il se sent de le faire en mode funambule, il le fait. Hein. Donc là, il s'accroche, donc il termine de nouer le nœud autour de la corde, et en fait, il fait une roulade comme ça, il se met en Par appui. Hein. contre, est-ce qu'on lui met pas genre une espèce de bout, enfin, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu vois, une espèce de ceinture. Enfin, est-ce qu'il aurait pas une sécurité, tu vois, une sangle qui le retienne si jamais il tombe, tu vois, qu'il se retrouve pas, parce qu'on va pas le chercher, tu vois, 2-3 km plus bas dans. En fait, si tu veux, le temps que tu réfléchis, en fait, il s'est déjà barré. Hein. On est d'accord, c'est un Oh rogue, il va pas putain, attendre oh putain, que tu ailles. Donc, du oh coup, tu vois putain. qu'il commence à s'allonger, en sachant que la corde est un peu mouillée. Hein. Tu vas Ouais. me faire un jet, tu vas me faire un D20. Il va passer sans aucun problème si tu me fais un jet entre 6 et 20. Ok. Donc, en fait, il avance comme ça, et en fait, à ce moment-là, il est plus ou Ah, moins à la moitié de forcément. la progression. En fait, glisse comme ça, et puis tu 4. vas me refaire un dé 20 sur la même difficulté pour qu'il se raccroche au dernier moment. Donc entre 6 et 20, il se raccroche. Donc en fait, il glisse comme ça et plaf, il tombe dans l'eau. Et là, pour le coup, il commence à être un petit peu tiré par le courant, et tu vois qu'il commence un petit peu à déballer finalement la rivière. Et il vous appelle genre aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Donc Alors, qu'est-ce que tu fais? tout de suite, est-ce que je vois des rondins de bois qui sont des troncs d'arbres, tu vois, qui sont un petit peu sur les bords dans l'eau? Oracle, oracle, donne-moi ça en oracle. Ok. Dis-moi qu'il y a un tronc dans l'eau qui dépasse. Bah, tu vas falloir que tu me le négocies, que tu me donnes des raisons pour lesquelles il y aurait des troncs. Bah, il y a un bois qui est pas très loin, il y a une montagne, j'imagine que du coup il a pu pleuvoir, il y a dû y avoir des crues, des trucs. Donc, si tu veux, un arbre, s'il y a de la forêt à côté. Ok. Tu vois, une montagne, une rivière, ça fait une crue et j'imagine Ça que marche. ça doit y aller. Donc, Ok. dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est genre mode réflexe. Tu vois, en un seul mouvement, en fait, je lâche mon épée, en fait, en prenant une flèche et mon arc. Vas-y. Ça fait beaucoup, mais oui. Et puis, en fait, je vais commencer à décocher des flèches. Un peu dans toutes les cibles qui dans tous les endroits qu'il pourrait y avoir sur le chemin là où il est en train de partir pour qu'il ait des prises en fait tu vois mais je vais en décocher tu vois je vais peut-être tu sais c'est genre pareil OK. Legolas genre jusqu'à ce que je vois qu'il puisse s'accrocher à quelque chose. Alors, tu vas me faire un des 20. Si t'es entre 6 et 20, en effet, il arrive à choper une de tes flèches, à se surmonter. T'as fait à combien? 20 20. Ok, donc, ou du coup, il est là, il est en train de monter de se noyer, se faire emporter. T'as une flèche qui passe juste à côté de lui, même qui le frôle, tu vois, comme ça, qui vient s'enclencher sur un amas de bois qui était un petit peu à la dérive, qui s'est fait, en effet, lessiver de par la montagne, et quoi. qui est Et donc, du coup, bloqué entre des rochers, ouais. il arrive à s'accrocher, il remonte comme ça, et il est peut-être dérivé sur une quinzaine, vingtaine de mètres, quoi, quelque part, et il se remonte comme ça, et il voit qu'en fait, il peut prendre appui sur ce rondon de bois, et sauter un petit peu comme ça sur les amarres flottants dans une espèce de coude, hein, de la rivière, et passer sain et sauf de l'autre côté de la barge, et en effet, remonter au niveau de la corde. Donc, bien D'accord. joué. T'as sauvé ma chérie, là. Puis, tu te fais un appel d'armée, puis fait. Merci. Prochain sur la corde. Eh ben écoute, à mon tour, et du coup, je vais tenter, tu vois, genre, si je peux au passage, tu vois, si j'ai mon épée, non, tu sais, même avec ma flèche, en fait, tu vois, genre un espèce de petit truc réflexe, tu vois, je vais avancer jusqu'à la moitié, donc moi, ça va plus être, tu vois, je tiens la corde, et puis j'avance comme ça au fur et à mesure, avec les pieds dans l'eau, Ouais. et puis à un moment donné, enfin, tu vois, je vais m'arrêter en chemin, je vais prendre une flèche.
Puis je vais regarder comme ça autour de moi, et tu sais, genre en mode un peu Bear Grylls, tu vois, genre dès qu'il y a un poisson qui passe, clac, une flèche, et puis je le remets à l'arrière, tu vois, ouais. Ok. Alors tu vas me tirer un D20. Si c'est 20, t'as pas de problème sur ta progression sur la corde, et puis après ça, on va faire la pêche. Donc si c'est 20, y a pas de problème. Ok, donc c'est bon, tu passes, hein, 11, même ouais. Si la corde commence à être, on va dire, un petit peu sous stress, quoi, quelque part, tu arrives, tu fais pas trop mal, et tu vas me tenter un médium pour ta pêche. Si tu me fais entre 11 et 20, t'arrives à choper un poisson. Donc là, paf, ça sera à côté. 23, vas-y, tiens-moi 3D. On va essayer, t'arrives à en choper... sur ton passage. Ah, je le tire trois fois. J'en retire deux alors. Deux de plus, ouais. Allez, allez, allez. Un 20 et un 19, ok. Donc là, schlac, schlac, tu passes comme ça vraiment furtif. En fait, tu vois que t'as déjà une brochette de deux saumons. Donc t'es là, tranquille. Puis tu continues ta progression de l'autre côté. Et puis tu as ta mâche qui fait, ouais, franchement, comment tu m'as sauvé, quoi. J'étais là, j'ai pensé que j'allais passer. Puis après, je sais pas, j'ai glissé. Et puis voilà. Tu sais, la prochaine fois, on essaiera d'être un peu moins sûr de nous. Parce que tu sais, depuis le début, ça nous joue un peu des tours. Et on essaiera d'être un peu plus safe. Donc du coup, tu vois, enfin, une petite sangle de sécurité, c'est pas trop. Et je pense que même moi, là, j'ai déconné de pas en avoir mis une, tu vois, mais on essaiera de faire un peu plus gaffe. Surtout que, tu vois, enfin, je pense on est assez mal en point, on n'a pas récupéré notre paye, il y a encore ça qui est en jeu, et on sait pas ce qui nous attend, donc on va essayer de faire super, super, super gaffe maintenant. Okay. Donc, du coup, je suis épaté de l'adresse que tu as. Je t'ai vu sortir de l'eau, c'était assez dingue à voir, hein, genre jamais pu faire ça. Hein. Il te retourne le compliment. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment du bro before host qui est en train de se passer. Là, vous êtes sur un terrain vraiment. Oh, high five. Il est là, et franchement, il est là, il fait ouais, toi, franchement, impeccable. Genre, le jet de flèche, impeccable, super ciblé, t'es le meilleur. Enfin, tu sens qu'il y a vraiment de la complicité entre vous qui est en train de monter. Coupable de laisser Brian de côté, tu vois. Et puis, tu sais, juste après mon high five, je fais. Hey Brian, toi aussi, très bien joué. Et tu vois, enfin, je lui tends la main pour lui dire qu'il n'est pas laissé de côté, quoi, l'intégrer un petit peu, même si tu vois, enfin, et ça se voit. Enfin, je pense que Miles l'a lu. C'est beaucoup plus pour le esprit d'équipe, le booster, ouais, le booster, lui donner un peu de bon corps que vraiment un suite à un mérite, quoi. Oh putain. Alors, pour le coup. Pourquoi tu jettes un dé? Excuse-moi, je crois que c'est mon clavier qui l'a lancé tout seul. Ah merde, putain, j'ai cru que tu me prévoyais un truc derrière, genre, et là, vous prenez 10 flèches. Il n'y a pas de problème. et là, pour le coup, donc, en effet, tu te retournes, et tu vois qu'en effet, Brian est laissé tout seul, de l'autre côté de la rive, avec la corde, tu vois, et en fait, il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Enfin, il n'a jamais été dans cette situation-là, il n'a pas votre courage, votre expérience, votre dextérité, et donc du coup, tu sens qu'il fait un pas, et puis il recule de deux. Attends, comment ça, Brian, il est encore derrière? Ah, je pensais qu'il était passé en premier, qu'il avait sécurisé la corde autour de l'arbre, et qu'ensuite le halflin. Ah merde! Ah putain, je voulais passer. D'accord, ok. C'est Miles qui est passé le premier. Ah merde, sinon je serais passé dernier. Oh merde! Non, t'as laissé Brian derrière! Merde, j'ai cru qu'on avait fait. Ok. Tu sens qu'il est vraiment là, vraiment intimidé par. Je crois que tu sais, allez, tu vas y arriver, tout ça, on est là, ouais. Il va, et puis en effet, donc tu l'encourages, et en fait, si tu vois d'un point de vue cinématique, tu vois Brian qui est là de l'autre côté, et puis en fait, la caméra se descend vraiment au niveau de la surface de cette rivière qui est extrêmement agitée. T'as les vagues, l'eau qui commence vraiment à taper contre la caméra, et tu sens qu'en fait, tu zoomes à travers, tu vois le visage un peu décomposé de Brian qui s'est. Comment il va s'en sortir, quoi. Donc il a fait, puis il crie, il fait, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu me proposes, comment je vais m'en sortir. Et puis il est là, il fait, je sais pas nager. surtout tu te lâches pas la corde.
Et ok, donc tu lui dis en effet de commencer sa progression sur la corde. Ouais, la corde, tu ne la lâches pas. Tu imagines que ta vie tient à un fil, et c'est vraiment le cas. Donc, littéralement. Tu vas la tenir, et puis tu ne la lâches pas, tu la tires, tu progresses. Ok. Donc du coup, Brian, suit ton conseil, il te fait confiance, quoi, vraiment. Genre, limite, Brian, si tu veux, tu passes le bras par-dessus et tu bloques la corde sous ton aisselle et tu avances comme ça. Ça va frotter un petit peu, mais Brian, lève le bras, point sous ton aisselle. Ok, et maintenant tu tires et tu le gardes bien serré sous ton aisselle, d'accord ? Ok. Alors pour le coup. Là, ça va être un petit peu plus compliqué pour Brian parce que la corde a déjà eu deux passages. Elle s'est bien fait humidifier aussi là-dessus, donc du coup, elle commence à être un petit peu. Elle commence à être un petit peu faible. Ça commence à s'affaiblir, quoi. Et donc, du coup, la difficulté du passage de Brian va passer en médium, ne serait-ce que pour le fait qu'il est un peu plus corpulent. Donc, du coup, la corde a tendance un petit peu à bailler, si tu veux, au moment du passage de son poids. Et donc du coup ça va être un peu plus compliqué. Donc tu vas me jeter un D20. Si tu me fais entre 11 et 20, il passe. Sinon il va y avoir des complications. 3. Ok, donc pour le coup, Brian avance comme ça. Et en fait, tu sais, bon, c'est un homme. Donc il a sur lui pas mal de bagues. Enfin, c'est peut-être le seul truc qui soit pas tombé. En fait, sa bague commence à user, à abîmer la corde sur laquelle il se glisse, quoi. Jusqu'à arriver à un moment où vraiment au milieu de la rivière, la corde est beaucoup plus humidifiée par les ébrouements d'eau, quoi, quelque part. Et finalement, la corde pète à ce niveau-là. Et donc tu vas me faire un... Attends, il est accroché à quel morceau ? Celui qui part derrière ou celui qui vient vers nous ? Alors là, il est accroché... écoute, donne-moi un des 20. 10, ça va être sur la partie de la rive opposée, et 10 et plus, ça va être de votre côté. Ok, shit. Donc du coup, 8. Il est accroché sur la partie de la rive opposée, la corde casse, ok, et donc du coup, tu vas me faire encore un D20 pour savoir s'il arrive à se tenir à la corde ou s'il glisse. Pareil, 1 à 10, il glisse, et 10 à 20, il reste accroché. 14. Ok, donc du coup, il est juste là, il s'accroche finalement à ce bout de corde, et puis la corde baille, court dans la rivière, enfin, se défile dans la rivière, et lui, donc, est accroché sur la partie de la rive opposée, et puis il est là, il s'accroche, puis il est vite rapproché contre la rive par l'inertie, un petit peu le rayon de la corde. Et donc du coup, il se retrouve sur la rive opposée, complètement, tu vois, sous l'air choqué, mais aussi complètement trempé. Et puis, il essaie de remonter, de se remettre ensemble, quoi. Enfin, de se remettre d'aplomb. Et puis, il vous regarde, il fait « Ah !» Et puis, il s'énerve. Il fait, ça, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Il faut que ça m'arrive à moi. Et tu sens qu'il perd un peu confiance, quoi. Brian, calme-toi, on va venir te chercher, on va trouver une solution. Merde, comment on va pouvoir faire ça? Donc il est accroché à la corde qui est de l'autre côté. Il est arrivé sur la rive opposée. Enfin, il est revenu à zéro, quoi. Ouais, il est revenu à zéro, ouais. Alors, je vais te donner juste un petit descriptif sur Brian. Il a aussi une autre arme, Brian. Il a une hache. Écoute, là, je serais bien tenté de me dire, on va aller voir en aval ou en amont, voir si c'est pas un peu plus étroit la rivière pour le faire passer. S'il n'y a pas un endroit où il y a un peu de rochers ou peut-être même un tronc d'arbre en travers qui pourrait nous permettre de. Parce que là, je le vois mal abattre un arbre. 25 mètres, ça veut dire que c'est un arbre assez conséquent. Et abattre un arbre tout seul, 25 mètres, plus le si le faire tomber là, oui, mais faudrait vraiment qu'il soit proche de la rivière et qu'il soit très très grand. Et ce qu'on va faire, tu vas me donner, ne bouge pas. Je pense pas qu'il y ait de ouais. Tu vas me faire un. Je voudrais juste.
tu veux me faire un des 20, je voudrais juste voir établir la motivation de Brian à continuer ou à juste se barrer en fait. Parce que voilà, je crois qu'il a. Tu vois, il est arrivé un peu dans une impasse, je veux savoir s'il va. Non, il va pas se barrer. Deux. Là, il commence à peser vraiment les pour et les contre de ce projet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il fait. Non seulement j'ai été piégé, j'ai survécu une embouche de gobelins. Je me suis fait démoraliser, je suis passé à la flotte, et là il se regarde, il fait pour 10 pièces d'or. Franchement, moi je viens, je suis un noble quoi. 10 pièces d'or, c'est pas grand chose pour moi, donc va falloir peut-être que tu me motives un peu parce que là, franchement, je suis à deux pas de rebrousser chemin, de rentrer à la maison et oublier tout ça quoi. Donne-moi trois arguments pour lesquels il devrait continuer. Il avait, attends, il avait, je me souviens plus du. De son enfin de son archétype, il était enfin qu'est-ce qui le faisait briller, qu'est-ce qui lui donnait envie lui? Ah. C'était arriver dans une ville et être un peu plus c'est être un espèce de, d'influenceur social un peu politique, il a ce goût pour la démocratie mais aussi la diplomatie. OK. C'est plutôt un intellectuel qu'un homme d'action quoi. Écoute Brian, on n'a rien sans rien, tu sais la réputation et la légende même de chacun enfin se crée tu vois et là ce qui est en train de se créer pour toi aujourd'hui c'est tu t'en rends peut-être pas compte là mais ça va te suivre après sur toute ta carrière et c'est vraiment quelque chose de c'est héroïque ce que tu es en train de faire avec nous là et je t'assure c'est vraiment et on sera là pour le compter et pour l'appuyer ce sera un tremplin pour toi Tu te rends pas compte, enfin, je veux dire, les gens de ta stature, de ta classe sociale, ils ne font pas ce genre de choses. Enfin, tu serais vraiment quelqu'un de très spécial et de, tu vois, de privilégié un peu, ouais, de renommé, enfin, tu vois, tu serais rapidement mis en avant. Je dis rien. Ok, alors pour le coup, tu vas me jeter un des 20 pour ta persuasion, d'accord? Tu as un moins 1 pour ça. Donc 4, et en fait, tu vois, tu parles, mais en fait, ça passe un peu au-dessus de la tête de Brian. Et en fait, alors que tu continues à essayer de le parler, tu vois, qu'il commence à rebrousser chemin, tu vois, et il vous regarde comme ça, et puis... Et puis d'un coup, il se retourne et il s'en va dans la forêt et il disparaît. Brian. Donc là, est-ce que tu veux l'appeler? Est-ce que tu veux l'appeler? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas rester seul dans ce bois. Ok. Gamin. Je l'appelle. Espèce de dernier appel pour savoir si vraiment je peux le faire changer d'avis, mais j'imagine que en fait il en a que faire et qu'il s'en va. Ok. Donc du coup, j'étais sur l'autre rive. Toi, t'es avec Miles sur la rive opposée. Alors, pour le coup, donc ce qui se passe, c'est que... Miles. C'était... C'est peut-être un mal pour un bien. Après tout, ce qu'on lui a pris, c'est pour nous maintenant. Mais moi, c'est la fois. Il nous l'a offert. On est d'accord. Puis le mec, c'était franchement un boulet, quoi. En fait, tu vas me jeter un jet de perception donc, sur lequel tu as 3 en modificateur. J'ai pas un... Non, c'était pas là-dessus. Ouais. Un 7, ok, donc un 10. Ok, donc du coup, tu parles un petit peu comme ça à Miles, quoi, puis tu commences à essayer de te prendre un petit peu, faire conscience de ton entourage. Venant peut-être de l'épaisseur de la forêt qui est à quelques mètres de vous, il va y avoir un jet de flèche qui va être envoyé en votre direction. Et donc, on va voir si en effet, ça va vous toucher ou pas. Donc, allez, c'est parti. Donc, d'ailleurs, tu vas me faire un D4. Tu as un D4 de dispo ou pas? Ouais. Tu me fais un D4? 1. Ok. Donc pour le coup, ok, ça va être une flèche, et je vais la faire, je vais être cool, je vais la faire. Je vais ressembler à Ken le survivant, tu sais, je vais avoir en direction de la grande ours là sur le torse.
15, donc en effet, donc la flèche a pris Miles pour cible, hein, et donc elle va lui faire un 3 de damage, d'impact, et donc Miles passe pour le coup à 5, ok, et donc vous approchez, d'un coup tu lui parles comme ça, et puis la flèche traverse l'espace et vient se planter dans l'épaule de Miles, putain c'est quoi. Puis là tu vois qu'en effet il y a de nouveau cette flèche irisée, rouge et noire. D'accord, et tu comprends qu'en effet, il y a de nouveau un gobelin qui vous a observé depuis un bout de temps en fait, qui est un petit peu en guet même, qui a été posté juste derrière la forêt, envers une autre enclavure qui s'enfonce elle dans la falaise et qui était là un petit peu en garde quoi quelque part. Et puis le fait d'avoir un petit peu essayé de persuader Brian au-dessus du chaos de la rivière qui jusqu'à présent couvrait vos voies. L'a attiré et donc pour le coup il vous prend en chasse quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire? Ou là tu sais même réflexe que tout à l'heure en fait, enfin même automatisme. Je vais tu sais j'ai entendu le tu sais c'est un petit peu genre j'ai entendu le j'ai vu la trajectoire de la flèche, j'ai entendu le sifflement. Du coup j'ai vu ce que j'ai fait tout à l'heure, je pense que j'ai réussi à cibler à petit peu près d'où venait la flèche, tu vois. Et tu vois, je décoche, tu sais, je prends une inspiration comme ça, je décoche une flèche, et puis, alors peut-être pas les yeux fermés, tu vois, mais genre, c'est vraiment instinctivement, tu vois, je la lâche dans la direction du... En direction de la... Ouais, ah, si je fais un beau jet, tu me permettras d'avoir les yeux fermés, tu sais, c'est genre... Ça marche. J'ai okay. senti le truc, tu vois, et... tu me jettes une flèche ou deux, ou je vais jeter deux flèches, comme tout à l'heure, tu vois, je vais faire le même tir... Et ouais, je fais le même tir, ouais. Ok, cool. Donc tu me lances un des 20, il faut que tu fasses au-dessus d'un 6 pour toucher. Ok, parfait. Plus 3, donc là c'est bon, c'est 18, nickel. En fait. Nickel. Donc 21, s'il te plaît, ouais. Décris-moi la situation. Ok. En fait, pareil, hein, c'est toujours le même film de Sam Raimi. Hein, et tu vois, tu suis la flèche... tu passes à laisser maladroitement, tu vois, entre les branches, entre les feuilles. Peut-être qu'au passage, tu vois, je chope un papillon, un truc comme ça, genre. Ah, tu sais, et puis, ouais. Tu vois, j'ai une espèce de petite brochette, tu vois. Et tu vois tout un tas de trucs s'embrocher sur la flèche avant d'arriver, effectivement. Alors, j'en ai balancé deux. Il y avait combien de gobelins? Un? Il y en avait un. Un seul? Ok, bah, j'ai les deux flèches qui sont arrivées comme ça, tu vois, genre. Vraiment côte à côte, qui s'embroche, et puis qui arrive vraiment, tu vois, cette fois dans les deux yeux. C'est genre. Ok, donc là. Et alors attends, les flèches, elles passent par les deux yeux comme ça, et elles ressortent de l'autre côté, tu vois, et elles vont se figer dans tu vois, l'arbre qui est derrière. Et du coup, en fait, tu suis même le truc, tu vois, à travers, c'est-à-dire que tu vois maintenant à travers les trous qui se sont formés dans le crâne, en fait, tu vois les deux flèches au loin posées derrière et... et puis, tu as le cadavre qui s'écroule et en fait, effectivement, restent mes deux flèches derrière. Voilà. Planté, d'accord. Donc, pour le coup, bien... Une lancée de flèche bien chirurgicale jusqu'au bout. Ah oui, parfaitement, ouais. Bien placé, du boulot bien fait. C'est propre, c'est bien fait. Donc voilà. Donc, et j'avais les yeux fermés, bien sûr. Toi, j'ai senti le truc et. Donc pour le coup, ce garde hein, qui était là un petit peu en fraction, donc ce tombe au sol, quoi, inerte, quoi. Et donc vous rassemblez un petit peu autour de ce cadavre-là. Et vous voyez en effet vers la gauche, hein, donc en effet en direction de la falaise, là où la forêt finalement s'aménuise et là où la rivière trouve presque son origine, hein, se trouve à travers une cavité, à travers une espèce de grotte, quoi, quelque part, qui est taillée à travers la forêt, à travers la falaise. Et en effet, ça a l'air d'être le seul chemin en fait, que vous puissiez prendre maintenant. Enfin, vous pouvez partir, en effet, tomber là, mais vous avez clairement conscience qu'il y a une présence gobeline à travers cette cavité, à travers cette grotte, quelque part. Et qu'en effet, donc il était en fraction, et, voilà, à quelques mètres de là, il y avait une espèce de petit baraquement en bois, en planche de bois un peu rudimentaire, mais c'était un petit peu son poste de fraction. Et puis il se trouve que ce gobelin avait peut-être pour mission quelque part, s'il en avait une, ça serait de garder l'entrée de cette grotte. D'accord.
Alors. Et donc, à l'entrée de cette grotte, par contre, vous voyez en effet un espèce d'étendard avec ses barres rouges et noires qui marquent une forme d'appartenance territoriale. Quoi. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en arrivant, devant le baraquement, en fait, on va récupérer le cadavre hein, du gobelin, on va le transporter avec nous. Et puis, en arrivant devant ce baraquement, j'ai une paire de gants ou pas? Donne-moi un oracle pour ça. Ça m'arrangerait parce que ce que je compte faire, c'est assez crade, mais... Oui, t'en as une. Ok. Du coup, je vais charcuter un peu au niveau de l'occiput là derrière, de manière à pouvoir placer ma main dans la, tu vois, dans la cavité en fait derrière, un peu comme une marionnette. Et puis je vais avancer comme ça, tu sais, genre en mode accroupi avec la marionnette devant moi, mon épée derrière, tu vois, et tu vois, je vais le faire parler comme ça. Ok. Alors. Et je m'approche du baraquement, tu sais, du coup j'ai Miles qui m'a, tu sais, je l'ai prévenu, tu vois, je lui ai dit d'attendre un peu plus loin, enfin tu sais, genre de les prendre peut-être à revers, tu vois, de contourner un petit peu. Et moi je vais y aller de face et puis je vais essayer de d'imiter un peu du son de gobelin et puis essayer d'ameuter les deux autres. Mais tu sais, je suis vraiment caché derrière, mais je pense qu'ils sont un peu cons les gobelins. Tu es tout seul. Pour l'instant, tu ne vois pas s'il y en a d'autres ou pas autour de cette rentrée. Ouais. Tu es le seul en port de guerre. Je vise le baraquement, hein, celui où il est censé y avoir d'autres, s'il a des acolytes, enfin, le baraquement, quoi. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de baraquement ou il n'y a pas de... C'est un petit poste de guet à l'entrée de cette cavité, à l'entrée D'accord. de cette caverne. Mais en soi, il n'y a pas d'autres activités, il n'y a pas d'autres gars. Tu serais jusqu'à présent tout seul, peut-être que dans la cavité, ou peut-être qu'il y en a d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas de signes avant-coureurs d'autres présences. Et puis, c'était surtout une espèce de petit baraquement pour une personne. Quoi. D'accord. Dire, D'accord. Alors, dans ce cas-là... Alors, petite question, est-ce que j'ai quel genre de carrure? T'as une carrure assez moyenne en soi, t'es un humain, hein, donc on va dire taille moyenne, corpulence moyenne, rien de spécial. Je suis pas forcément super musclé. Donne-moi un oracle pour ça, ça aurait influencé ta dextérité ou ton poids, mais bon... Bon, tu me négocies. Raconte-moi ton histoire. Bah non, mais comme je suis censé être un héros, j'imagine que j'ai quand même fait pas mal de choses physiques pour en arriver là. Donc, mon histoire se lie aussi sur mon corps. Donc, outre les cicatrices que je peux avoir, j'ai aussi une musculature qui est quand même un minimum développée. Alors après, je suis pas non plus un héros superstar, mais j'imagine quand même que en tant que héros, je ressors un peu du lot. Je suis quand même au-dessus d'un citadin classique, ouais. Quoi. Ouais. C'est vrai parce que pour le coup, tu es dans ton passé, t'as un côté assez assez manuel, hein, finalement, d'un point de vue manutentiel, d'un point de vue, t'as travaillé sur les portes, t'as travaillé à la terre aussi, voilà. J'ai plus une carrure de quelqu'un qui fait de la manut ou, enfin ouais, voilà. Donc t'es quand même assez baraqué, t'es pas à point de vue super héros, mais t'es quand même, t'as, pour un humain, t'es quand même dans la moitié, dans l'élément supérieur, dans le tiers supérieur. Voilà, dis-moi tout. Alors dans ce cas-là, pour savoir, alors le gobelin, c'est un petit être, hein, c'est quoi, c'est un mètre, un gobelin, un truc comme ça? Ouais, un mètre vingt à peu près, ouais. Ok, dans ce cas-là, je garde ma main dans sa tête et en fait, je le traîne négligemment comme ça, toujours à la main. Et puis, par contre, avec mon épée, je vais avancer et je le garde un peu. Je m'en servirai un peu comme un bouclier humain, tu vois, un bouclier gobelin. Si jamais il y a un truc qui apparaît devant, je me mettrai derrière comme ça et pour parer parce que prendre des flèches depuis tout à l'heure. Donc tu utilises un peu en bouclier. Ouais. Et puis vraiment, je vais commencer à être à l'écoute du moindre, tu vois, décochage de flèche ou quoi que ce soit pour essayer d'avoir une espèce de réaction réflexe si j'entends fendre l'air.
Ok. Donc pour le coup, donc tu l'utilises en bouclier humain, juste par rapport à ta stratégie précédente qui était de peut-être de faire parler le gobelin ou l'utiliser en tant que marionnette, sache que tu as un modificateur de moins 1 en performance. D'accord? Donc tu vas pas forcément avoir un grand pouvoir de jeu, entre guillemets, ou de marionnettiste, mais ça se peut se tenter, c'est pas non plus un gros désavantage. Donc si tu as envie d'aller dans ce sens-là, c'est Je pense que jouer contre l'intelligence des gobelins devrait jouer à mon sens. Enfin. Ok. Donc pour le coup, donc tu décides de t'avancer vers l'entrée de cette cavité, tu décides d'aller de l'avant ou qu'est-ce que tu veux faire? Alors, c'est une cavité. L'entrée est grande comment? En fait, si tu veux, l'entrée fait grosso modo par la taille de la rivière plus finalement la falaise, l'ouverture de cette falaise qui est creusée par l'eau hein, au cours des Ah, c'est années. une méga grosse entrée. C'est assez, enfin, c'est méga gros, ça couvre tout ça. Tu vois, en gros, tu as peut-être une quinzaine de mètres autour de toi D'accord, ouais. de roches parsemées. Tu as la rivière qui passe. Et puis, tu as un chemin assez étroit sur le côté, mais qui pourrait peut-être aboutir sur d'autres zones. C'est possible. Et tu vois qu'en effet, il y a du. Ouais, ça Tu se veux dire que la lâche. rivière rentre dans le... La rivière vient de cette cavité, en fait. Elle se Vient de dégorge cette depuis. cavité, d'accord, ok. Donc il y a quand même du bruit, il y a quand même de l'écho même hein, à travers cette cavité-là. Et tu vois que l'herbe se transforme finalement un petit peu en boue, le passage boueux sur le côté, qui est un peu sinueux, qui va peut-être donner la place pour une personne de passer, mais il est possible que ça aboutisse sur d'autres peut-être espaces, ou qu'en tout cas ça puisse peut-être vous amener quelque part. D'accord. Alors, moi, je serais bien tenté de... Écoute, Miles, je sais pas ce que t'en penses. Moi, pour l'instant, la piste, et d'après ce qu'on a vu, je pense que si on en est arrivé là, c'est pas pour rebrousser chemin maintenant, et tout me porte à croire que... Si on veut récupérer ce qu'on est venu chercher, il va falloir poursuivre et rentrer malheureusement dans cette grotte. Maintenant c'est large, alors voilà, il faut s'attendre à tout. On rentre dans un milieu fermé. J'ai déjà fait ça par le passé, des chauves-souris, ce genre de trucs. C'est le genre de truc qu'on peut tomber, donc faut s'y préparer. Je sais qu'ils aiment pas le feu, alors à la limite, peut-être qu'il faudrait se préparer un petit peu une petite torche. Tant qu'on sera au sec, ce sera jouable. Et de toute manière, on va pas tenter le diable. Hein, si jamais, vu le torrent que c'est et dans le noir, on va pas retraverser une rivière comme ça dans l'obscurité. Donc de toute manière, pardon. On restera au sec, ça je te le promets. Alors, t'as, sur toi, t'as 10 torches, hein, donc c'est tout à fait possible, tu peux Bon utiliser. bah j'en prends une, je la gratte contre mon pantalon. Ouais. Et puis Donc, tu passes en premier ou Miles passe en premier? je passe en premier, je suis toujours dans le même truc de Miles, je me dis qu'il est peut-être mieux pour fermer la marche. Donc, du coup, tu vas avancer comme ça en peut-être pointant ton gobelin un petit peu en devant pour présager de quelques dangers. Et tu vas t'entendre. Voilà, commencer ta marche vers ce chemin sinueux et en fait l'herbe se transforme rapidement en boue hein, sous tes pieds et le chemin qui suit la falaise hein, est vraiment vraiment à proximité de la rivière et tu t'engages un petit peu comme ça sur ce coude un peu étroit finalement en direction donc cette cavité qui est beaucoup plus sombre et donc en effet quand tu rentres dans cette cavité tu vois que la rivière, quoi, commence à vraiment échoer, quoi, quelque part, et tu deviens beaucoup plus conscient des particules d'eau qui commencent à jaillir un petit peu de tout ça. Et en effet, bon, l'humidité est extrêmement haute à ce moment-là, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'écho, donc c'est un petit peu difficile de savoir qu'est-ce qui se passe, qui est, enfin, pas qui est quoi, mais quelque part, le son rebondit beaucoup, beaucoup. Et finalement, tu t'avances comme ça un petit peu au fur et à mesure, donc tu te fais quand même bien rincer par la rivière qui est assez agitée. Et en fait, tu vois que ce chemin qui est sur lequel tu es, là, le petit sentier quelque part, débouche rapidement sur
une espèce de d'entrée, hein, alors une entrée, une, peut-être une plateforme même, alors c'est toujours de la boue, c'est de la pierre, mais sur laquelle tu aurais peut-être trois marches tout de suite à droite qui pourraient s'ouvrir vers une pièce. D'accord. Et derrière toi, donc tu as juste derrière toi, tu as le maïs qui est là, et donc du coup, voilà, devant toi, tu as la possibilité en effet de rentrer dans cette pièce, ou alors de continuer finalement ton chemin sur ce sentier qui continue à finalement à glisser le long de la paroi, entre la paroi et cette rivière là. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors, en arrivant devant la, c'est une petite porte sur le côté. Hein. C'est pas vraiment une porte. C'est une c'est espèce d'ouverture, ouais, une taillée, ouais. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer, tu sais, de manière très rapide de l'autre côté, de manière à ce que moi, je sois d'un côté de cette ouverture et que Miles soit de l'autre côté. Et je vais faire comprendre à Miles, donc de manière silencieuse, hein, puisque je ne sais pas ce qu'il y a dans cette cavité. Je vais essayer de lui faire comprendre que je vais essayer d'appâter avec la marionnette. Et si quelqu'un arrive, tu vois, de faire du bruit pour que la personne en sortant bah, forcément se tourne vers la source du bruit, donc qui sera moi, et que lui puisse faire un espèce de backstab en fait sur la potentielle créature qui pourrait sortir, parce que je me dis que s'il y a des gobelins et qu'il en reste encore, c'est peut-être voilà, vaut mieux peut-être regarder ça avant. Donc je fais ça en fait, je mets de l'autre côté et puis je commence à faire des petits bruits comme ça pour essayer d'attirer. Enfin, j'imite un peu le gobelin. Et puis je tape peut-être un petit peu avec mon épée sur l'ouverture, tu sais, enfin où je la fais racler un peu sur l'ouverture de la porte pour s'il y a quelque chose dans cette cavité qu'elle sorte. Alors pour le coup, donc tu fais ça, vous êtes chacun de chaque côté de l'un, et en effet, tu vois pas grand-chose, même si t'es un peu à la torche, tu sens que l'obscurité absorbe la lumière assez rapidement, et tout ce que t'entends en fait, c'est qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui réagit dans l'obscurité. En fait, tu vas commencer à entendre des mouvements de chaîne assez lourds. Et puis surtout des grondements. Puis tu vas commencer que là tu vas sentir qu'il y a plusieurs choses qui se lèvent sur leurs pattes et qui s'ébrouent. Et d'un coup ça commence à gronder. Tu vois même peut-être des yeux qui commencent un petit peu à capter la réflexion de ta torche. Et là pour le coup ça va commencer même à aboyer. Attends juste un. D'accord, ça aboie. Mais genre la pièce qui était ouverte, qui était sur le côté, c'est genre une pièce à échelle humaine ou est-ce que c'est une pièce à échelle de la grotte dans laquelle on est ? C'est proportionnel, mais tu t'es dans une espèce de cavité qui sont creusées dans une falaise, donc jusqu'au moment que tu rentres dans la pièce, tu vas pas forcément savoir. Il faut que ta lumière, ta torche puisse. En tout cas, j'imagine que la porte, parce que s'il y a une porte, genre quelque chose qui rentre ou qui sort. Non, mais il y a une espèce d'ouverture. Ouais. Et cette ouverture, elle fait combien de largeur et de hauteur ? Elle fait à peu près, on est sur du 3-4 mètres de large, quoi. Ah. Et combien de hauteur ? En hauteur, tu as peut-être sur du, je sais pas, peut-être 7-8 mètres. Ah, ok. Alors, attends. J'aurais peut-être pas fait ça. Je m'attendais vraiment à une espèce d'ouverture de, tu sais, taille d'une porte, tu vois. Ah non, mais... on est sur un espace beaucoup plus grand. Hein. D'accord, ah oui, donc là, non, là je vais être beaucoup plus méfiant. Enfin oui, bah écoute, forcément, bah j'ai fait ça. Merde. Je fais les gros yeux, tu sais, à Miles. Viens. Dépêche-toi, okay. Miles, dépêche-toi. Ok, donc Miles te comprend ce que tu veux faire, et donc du coup il traverse comme ça un petit peu en scred hein, l'ouverture de cette chambre hein, quelque part, ce qui a pour tendance de même ravifier les aboiements et l'agitation dans cette pièce, quoi, et donc du coup il se met à couvert à côté de toi. Ok, tu comme moi, tu as entendu aboyer. Est-ce que tu as vu quelque chose en passant ? Je sais pas, alors pour le coup, tu vas me jeter une perception pour Miles, que je sache un petit peu s'il en a vu. Il a un plus 3 en perception. Un plus 5, ce qui est pas mal. Ouh. Donc t'es, ouais, donc du coup, 16. Il a fait, je crois que c'est des loups, je crois que c'est 3 loups,
J'ai vu trois loups, j'ai compté trois loups, il y en a peut-être plus, mais j'en ai compté trois. Et surtout, j'ai vu ça, mais surtout, j'ai vu une espèce de lumière qui sortait au fond de la salle, peut-être une espèce de fissure et de la lumière qui passait à travers cette fissure-là. Je sais pas. Et tu es sûr que tu as entendu trois chiens? Ouais, j'en ai vu trois. J'ai vu trois paires d'yeux, j'ai vu six yeux, trois. Ouais. D'accord, et pas plus haut qu'un chien? Peut-être un loup. D'accord. Tu as entendu comme moi des petits bruits métalliques, type chaîne. Ouais, ouais. Ce serait peut-être enchaîné, je sais pas. Ok. C'est possible. Alors écoute, s'ils sont enchaînés et qu'ils sont pas venus nous attaquer, c'est qu'on n'est pas à portée. Parce que Medavik, que ce soit des loups ou des chiens, ils ont un bon odorat. Et je pense qu'au moment même où on est rentré dans la caverne, ils nous ont sentis. Écoute, je serais partant pour tenter un truc. Tu vois, on va jeter un peu Mister là au milieu des chiens. Les occuper. Voir s'ils sont occupés. S'ils sont occupés à le dévorer, voir si on peut passer sur le côté, tu vois, et puis et se faufiler pour passer derrière ces chiens. Juste maintenant, je sais pas, je peux pas t'assurer qu'ils puissent pas nous choper, puisque du coup, je ne connais pas la longueur de leur chaîne. En tout cas, ça se tente. Et surtout, quand on va faire ça, on va bien se tenir prêt à la limite, à décocher une flèche s'il y a besoin, si jamais on se fait charger. Et okay. D'autre part, tu sais, j'ai pas mal de flambeaux avec moi, enfin de torches. Je serais d'avis aussi d'en jeter quelques-unes dans la pièce avant, pour mettre un peu de lumière, tu vois. Ça va être sûr que ça va exciter les animaux. Ça va peut-être même, tu vois, jouer en notre faveur, puisque s'ils sont dans le noir depuis longtemps, ça risque de perturber leur vision. Et peut-être de leur brûler un petit peu les yeux, et on aura peut-être l'avantage sur peut-être la première ou les deux premières minutes qui vont se passer. Donc, si tu me suis, on y va. Ok, donc tu veux commencer par quoi? Ok, donc s'il me valide, je sors peut-être trois torches. Ok. Ok, parfait. Et j'allume les trois torches. Et puis, tu vois, je me mets sur le côté et j'en balance une, j'en balance deux, j'en balance trois, tu sais. Alors, la première, c'est de voir un petit peu l'espace. Et en fait, en fonction de la première où elle atterrit, je vais lancer les deux autres à peu près équidistance, c'est pour à peu près éclairer toute la zone en fait, qui m'intéresse, c'est-à-dire là où je vais voir les chiens ou les attaches de chaînes ou peu importe. En tout cas, pour voir un petit peu l'environnement et surtout aussi repérer les parois sur les côtés. Donc du coup, t'envoies tes torches hein, dans cette salle, et tu les vois qu'en effet, donc les torches donc soit rebondissent sur les murs, soit au sol, et tu vois en effet que c'est une cavité comme ça qui est entourée de stalactites et de stalagmites, et tu as en effet trois loups qui sont attachés avec des chaînes assez lourdes et des anneaux assez lourds qui sont posés autour de stalactites pour les tenir un petit peu en maintien. Ce sont des loups qui sont assez corpulents, d'accord. Tu sens qu'ils ont été bien nourris, et surtout qu'ils ont été élevés pour être agressifs et pour l'attaque, d'accord. D'accord. Et même si tu as envoyé tes torches à travers cette pièce, elles sont maintenant à même le sol, et ce sol est quand même très humide, voire même mouillé, hein, de par la rivière qui en permanence ébroue finalement tout sur son passage. Donc tes torches ne vont pas rester très très longtemps. Ok. De toute manière, à peine je les ai lancées, j'imaginais que j'avais une fenêtre de 1 à 2 minutes et encore 1 minute, tu vois, pour la surprise pour les yeux. Donc du coup, et puis je vais même pas faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire que je vais pas lancer le cadavre. Je vais attraper Miles, et je vais le tirer, tu sais, derrière moi en tenant le cadavre devant moi, et puis on va vite tous les deux progresser le long d'une paroi, et j'ai le cadavre devant moi, tu sais, genre si jamais on me charge, je jette le cadavre sur les loups. Ok,
Donc pour le coup, les loups sont un petit peu en effet déphasés, surpris par les flashs d'intensité lumineuse qui les entourent. Donc du coup, ils sont un peu aveuglés. Tu peux commencer à faire ta progression. Et surtout, donc, comme Mathieu l'a dit, tu vois au fond de cette salle, tu vois qu'en fait, le mur, hein, c'est en fait, c'est encastré, tu as une espèce de fissure à travers ce mur-là qui clairement fait jaillir une forme de lumière derrière cette paroi-là, d'accord. À ce moment-là, les loups reviennent un petit peu à eux-mêmes et vous voient et commencent à essayer de vous charger, mais sont évidemment retenus par les colliers, d'accord. Ce que je vais faire, je vais jeter je vais faire un jet difficile pour chaque loup maintenant pour savoir si l'un des colliers casse et vous charge ou si les colliers résistent, d'accord. Donc je vais envoyer 3 des 20. Forcément, ils vont tous casser. Il y en a un qui casse. Ah. Qui casse. Ouais. Ça casse pas. Ça casse. Donc du coup, tu as deux qui cassent, tu vois le haut de la statue qui s'explose finalement enlevé, et puis donc du coup l'anneau tombe au sol et vous avez maintenant ces deux loups qui vous ramènent comme ça. Alors tu sens qu'en plus les griffes se plantent dans le sol, tu sens qu'ils vont vraiment ils vont pas y aller. Et donc ces loups vont avoir, si je me trompe pas, ils vont avoir, je crois, 15 points de vie chacun. Donc, je suis en 3, attendez-moi juste une petite... ouais, 15 points de vie. Donc du coup, je te donne l'avantage, tu peux commencer, et on va voir où on en est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... ça casse. Je te fais une petite fleur. Hein. Je te rappelle que tu as une dextérité en domptage animal. Ah yes. Écoute, je vais balancer. Non, je vais pas le balancer. Je vais le garder à la main. Tu sais, genre si jamais ils essayent de me sauter dessus, de me mordre, je le mettrai en travers. Et puis du coup, je vais essayer, tu sais, de les impressionner, en fait, de montrer un peu comme mâle alpha, en fait, avec ses bêtes. Et je vais peut-être, tu sais, pousser un grognement le plus grave possible. Peut-être, tu vois, taper avec mon épée sur le sol pour impressionner, faire du bruit. Peut-être agiter les bras en l'air, en fait, mais faire ce que je sais faire avec les animaux. Alors, je vais faire un combo de dextérité ici. Tu vois, je te donne ton modificateur de dompteur, mais par contre, tu as un charisme qui est un petit peu en dessous. Donc, tu as un -1 sur ton charisme. Donc, je vais te donner 2 en domptage. Je t'enlève juste un peu de charisme parce que ça serait sinon un petit peu en clash avec ton personnage. Donc, donne-moi un des 20 et je te rajoute donc 2 sur ton modificateur. Tu as fait à quoi? J'ai pas lancé encore. Vas-y. Un des 20 plus 2, du coup. Ouais. Donc, t'es à 10. Hein, donc, pour le coup, ils viennent vers toi, puis en fait, tu fais donc cette action-là, puis ils sont un peu perplexes, tu vois. Ils savent pas trop. Ils savent pas trop quoi faire. Ils sont un petit peu impressionnés, mais en même temps, ils testent. Tu vois ce que je veux dire, c'est que d'un coup, ils sont un petit peu perplexes. Fais-moi intervenir Miles. Dis-moi ce que tu veux qu'il fasse. Alors, Miles, est-ce qu'il a une arme de jet? Alors, il a une épée courte, il a un arc court, il a un marteau, il a une crowbar. Alors, je le vois bien avec son côté voleur. Sortir son arc court et décocher lui. Moi, j'essaye pas de je voulais pas tuer les loups, mais lui. Donc okay. Du coup, il va tirer dessus. Ouais. Avec son arc ou son. Ouais, avec son arc. Il va d'abord viser celle qui est la plus proche, quoi, celle qui dont l'attaque paraît imminente, quoi. Ok. Alors tu me fais un D20 et tu vas me mettre un +3 pour la dextérité.
Ok, 16 plus 3, donc 19. c'est bon, ça passe. Tu me fais un. Tu vas me faire un dé. Il va alors pour le l'arc, tu vas me donner un dé 6 sur lequel tu vas avoir un plus 3 4. en damage. Donc tu vas me faire. Je te rajoute, par exemple, je ne l'ai pas fait avant sur les gobelins parce que c'était un peu plus De toute évident. manière, ouais. Ça rajoute en 3, donc du coup ça fait 4. 7. Ça me fait pardon, 4, 5, 6, 7. Ça me fait 7 pour la première bête, donc en fait elle est à moitié déjà atteinte. Donc ça va me faire du 6, il me reste 6 pour la première, t'es toujours à 15 pour l'autre. Ah, c'est ça. Ok, donc pour le coup, très bien, donc ça c'est bon, vous avez fait votre tour. Maintenant, cette première bête, fuck, est prise finalement, elle est vraiment heurtée au niveau de peut-être de l'épaule ou du torse, quoi, quelque part. Et la deuxième bête voit exactement ce qui se passe, donc du coup, elle va commencer à charger Miles un petit peu en rétaliation. Et Merde. donc, du coup, la première bête va prendre 1, donc 20, 2. Ok, bah, elle va complètement le planter, quoi, pour le coup. Donc, pour le coup, Miles, il a 5. Okay. Donc, du coup, la bête commence, en fait, se jette sur lui, quoi, quelque part. Et puis, en fait, elle se. Oh, non, en fait, voilà, elle prend son élan au moment où elle va pour s'élancer vers lui. En fait, elle glisse, quoi. Et du coup, tu vois, elle glisse comme ça sur le côté de la pièce, quoi. Elle se rétame, quoi. Et d'ailleurs, je vais lui mettre un D6 de chute. Ouais, elle va se prendre un 5, donc ça va être bien morflé, donc il lui reste 10 points de vie. Ok. Alors que la deuxième bête, elle, du coup, elle est là, elle a sa flèche, tu vois, elle est en train de peiner, elle prend ça avec sa gueule, elle là, genre, elle casse la flèche, elle la jette sur le côté, elle te regarde toi dans les yeux, quoi, et tu sens que ça va y aller pour l'heure. Donc, du coup, elle va prendre son élan aussi, et donc, elle va sauter en ta direction. Elle fait un 12. Donc toi, tu es en fait à 14 en termes de armor class. Donc du coup, même celle-là, en fait, elle va pour essayer de t'attaquer, mais en fait, ça passe sous des robes aussi. Elle glisse comme ça au sol et puis elle essaie de se remonter. Mais ça te donne assez de temps à toi et à Mas pour finalement anticiper Ah bah, votre move. du coup, la voyant faire ça, en fait, la voyant glisse, elle glisse, hein, c'est ça? Ouais, en fait, elle trébuche sur sa patte On faible, trébuche. quoi. D'accord, dans ce cas-là, voyant ça, je me jette dessus, avec comment ça s'appelle, avec le cadavre dans la main, tu vois, et puis je me jette dessus, et vraiment, tu sais, je plonge, en fait, sur sa tête, en mettant le cadavre et en voulant écraser la tête du chien avec le cadavre et avec moi par-dessus, en fait, pour la bloquer, pas tant pour la tuer, pour la bloquer. Et puis par contre, avec mon épée, écoute, je vais l'achever parce que clairement, elle est là On va pour voir si ça passe. On va voir si ça elle est passe. là pour tuer. Ok. Bon, alors, tu me jettes un des 20 pour voir si déjà ton action touche. T'es sur un quoi? 11. T'es sur 11. 11. Donc là, pour le coup, ça va être du corps à corps. On est d'accord. Donc ça va être du 12. Allez, sur un essai de 15. Donc en fait, non, tu la rates, quoi. En fait, tu vas pour l'amorcer. En fait, tu vas pour la planter. Et en fait, dernier moment, elle échappe et en fait, ton épée même se plante au sol, quoi. Et donc, du coup, tu peux faire intervenir Miles, si tu le souhaites. Bah oui, oui, je vais refaire décocher Miles. En fait, il va rester à distance, mais il va décocher en série, quoi. Ok. Coup Donc, après coup, il va décocher. Et là, du coup. il va décocher dans la bestiole qui est la plus proche de moi, en fait. Voilà, ok, très bien. Bon, vas-y, envoie-moi un des 20. Donc, 10 plus, donc, en 3, ton dextérité. C'est 13. Donc, du coup, il rate aussi. Il envoie une flash, quoi, quelque part, mais peut-être que la cavité, enfin, vos torches commencent un petit peu à s'éteindre. Donc, du coup, il est un peu perturbé par les ombres, peut-être qu'autour, et puis en fait, il plante sa flash contre la paroi, enfin, elle se casse, et là, pour le coup, voilà, rien ne se passe. En attendant, le loup qui, lui, s'est retrouvé finalement glissé contre la partie opposée, commence à se remonter, tu vois ce que là,
c'est bon, et être parti pour en redécoudre. Hein, donc il a 6 points de vie, et donc du coup, il va décider d'aller vers Miles et de sauter au-dessus de l'autre loup, quoi, pour essayer de dégager cette partie-là. Donc du coup, il va s'engager là-dessus. Il fait un 2. C'est pas très malin. Et en fait, il va pour s'élancer, mais en fait, il rate son envoi au-dessus de ce loup-là. En fait, il rentre dedans même, tu vois, du coup. Donc, il le pousse un peu en dehors de ta direction. Et donc, du coup, pareil, il est un petit peu perturbé, il sait pas trop ce qui se passe. Le deuxième loup, donc, qui a été poussé un petit peu à distance, se relève et genre, le réprimande, quoi. Et se retourne vers Miles. Pour le coup, il change un petit peu de target, quoi. Et décide de l'atteindre. Il fait un 15, ce qui va toucher. Et donc, pour le coup, il va toucher un 2. Donc, du coup, il se lance sur Miles. Et en effet, il le chope. Miles, donc, il va perdre. Il va être à 3 maintenant, Miles. Il va le choper au niveau de la jambe. Genre, il va pas le lâcher, tu vois. Tout son combat, il va être vraiment entraîné par la bête, quoi. Il va être là, putain, mais aide-moi. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je refais comme tout à l'heure, en fait. Je suis très très fort à l'arc. Je prends une... Enfin, je trappe une flèche, en fait, très rapidement. Et je décoche dans sa direction, mais je décoche sur la bête. Ok. Tu me fais un D20. J'ai un mode... Et tu as 3, hein. Tu as 3 d'extérité. Ok, tu fais un délice, donc pareil, ça passe vraiment à côté, quoi, en fait, et donc tes flashs n'aboutissent pas auprès de la cible, quoi. Miles est en train de se faire bien bouffer. Miles a en arme courte, il a une arme, il a une épée courte, il a aussi un marteau. Hein, et il y a un arc. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, s'il est au corps à corps, je prends le marteau. Et en fait, je me dis que j'attrape le truc, l'objet le plus contendant, et puis je frappe sur la tête ou la mâchoire, en tout cas, de la bestiole pour lui casser à la limite, lui briser la mâchoire et pour qu'elle lâche prise, en réalité. Ok. Alors, bouge pas. Je vais... je te fais 6. Je pense que ça va être tout d'un coup. Bouge pas. Je vais ajouter d'autres trucs. Parce qu'en fait, je t'ai donné une armure classe de 15, mais je t'ai aussi donné 15 points de vie sur les bêtes, ce qui va être assez important. On va que si tu arrives à le toucher, je fais ça. Mm-hmm. Donc jette-moi un D20. Un. Et pour le coup, tu sens que là, non seulement tu rates, quoi, ton coup, mais en plus la bête se déplace un petit peu, et en fait de toutes tes forces, en fait, tu fracasses ta jambe avec ce marteau, quoi, ce qui va vraiment, pour le coup, entamer l'os, enfin, tu vas te briser le tibia, quoi, tout seul, quoi. Et la bête s'est juste reculée au dernier moment et te regarde, genre... Ah merde, le mec se suicide. Du coup, tu vas me donner un... Je vais t'amocher d'un point de vie. Tu es à 2. Ok. Et là, ça va être au tour des... loup d'agir. Ok. C'est parti. Allez, ils sont alors, cool, les loups. Le premier loup, donc celui qui a tes pieds, lui va jeter un son attaque, il va revenir pour toi. Et pareil, si tu veux, alors pour le coup. Il essaie de se lancer, mais vous êtes vraiment dans la paix, même s'ils ont un avantage au niveau de leur perception. En fait, il se jette sur toi, mais en fait, je vais te le faire t'éviter, on va faire simple. Et en fait, il va se fracasser sur le mur opposé. Et pour le coup, lui, il va se prendre un des 6 de damage. Il va se prendre un 3, et pour le coup, il tombe, il est raide, ok? Donc, t'as un loup qui est mort,
inactif. Okay. D'accord, donc on va pouvoir se concentrer. Ouais. Ce remède à plomb aussi, c'est celui qui était un petit peu poussé par avant. Et pareil, je sais pas, alors c'est les cris de douleur de Miles ou l'odeur du sang qui commence à se répandre dans la pièce. Enfin, il le choisit en tant que cible. Donc pour le coup, il s'avance vers lui. Il a un des 16, donc pour le coup, il va toucher. Il va toucher et il va toucher sur un 1. Donc du coup, il passe comme ça, il passe à côté de toi et en fait, il te passe un coup de griffe. Et tu vas te prendre un point de vie, donc il te reste un point de vie. Miles, t'as morflé. Et maintenant, ça va être au tour de... Echerel. Echerel, qui donc peut l'amortir si tu lui infliges 4 points de vie, il va être à terre. Ouais, bah écoute, là, ça va être... Je vais sauter dessus avec mon épée, en fait. On va partir, au corps à corps. Ok. Et ouais, du coup, je saute dessus avec mon épée. Hein. Okay. Donc ça va être ma force avec, c'est ça? Ouais. Et j'ai combien en force? En strength, tu as 2. 2. C'est moi. Parfait, donc du coup, tu... Oh, tu 20! Slack, tu rentres sur un 20, c'est pas un 20 naturel, mais tu rentres sur un 20, là, tu te lances comme ça, et en fait, tu me jettes un D6, et dis-moi combien tu veux les mettre. Il fasse plus de 4. Fais moi plus de 4. T'arrives, tu me décris l'action, s'il te plaît. Donc je crois que pareil, il y a une caméra sur mon épée. Ouais. Et en fait, je crois que j'arrive. J'arrive. Je pense que la bestiole me fait face à ce moment-là. Ouvre la gueule et moi j'arrive genre floum comme ça. Et tu sais, il se passe rien et la bestiole s'arrête, tu vois. Et tu vois une petite goutte de sang, un petit liseré comme ça, tu sais, le long de son museau. Et puis tu vois la gueule qui commence à se séparer comme ça en deux, à s'ouvrir avec, tu sais, des petits fils de bave, tu sais, de sang et tout. Et tu vois les deux yeux qui s'écartent certainement. Peut-être aussi qu'on a une vision en fait de ce qu'il voit et qu'on me voit me dédoubler comme ça. Et puis tu sais, tu vois la tête de la bestiole qui s'ouvre en deux comme ça et puis la bestiole qui tombe sur le côté avec... elle a une espèce de coupe parfaite en fait anatomique, tu vois, où on voit vraiment le, tu sais, la partie droite du cerveau, la partie gauche du. La coupe bien nette. Ah ouais, ouais. Ciselée. Un truc chirurgical, ouais. Pour le coup, donc le loup tombe à terre, mort. Tu as toujours le gobelin au bout de ta lame. Est-ce que pendant ce temps-là, t'as toujours le cadavre de ce gobelin qui se dandine ou pas? T'en es où là? Le gobelin, j'avais laissé, tu sais, en sautant, j'avais laissé par terre pour m'appuyer dessus. Donc, il est par terre. Ok. Mais je vais le récupérer. Ok. Donc, pour le coup... Il doit être en mauvais état. Le loup tombe comme ça. Tu es en position un petit peu de... Voilà, en fin de coup. Et du coup, Miles se traîne tant bien que mal de ton côté. Vous avez vraiment, vraiment sauvé la situation. Et vous vous rassemblez un petit peu comme ça pour reprendre votre souffle. Et au fond de la grotte, quoi, enfin de en tout cas de cette cavité, tu entends en effet les chaînes du troisième loup qui commence à tirer, et paf, t'as la stalactite qui se casse, et tu vois ce loup qui s'élance vers toi, qui saute en votre direction, et on va arrêter là pour aujourd'hui. Oh merde! Ah putain, je voyais bien le loup arriver, et tu sais, je me voyais tenir mon épée devant moi, tu sais, genre il arrive sur le hachoir, quoi, tu sais, genre. Tu vas pouvoir le garder une fois si tu veux. Oh là là là. Voilà, donc vous êtes dans cette première cavité. Et donc, pour le coup, voilà, vous êtes assez amoché, mais vous avez quand même traversé pas mal. On a vraiment bouffé pas mal. Hein. Vous avez fait plein de choses aussi, quoi. Donc, du coup, bien joué sur l'exploration de tes choix, sur les dynamiques de personnages. Voilà, là, je pense que vous êtes bien appliqué. Vous allez surtout arriver dans une... dans un espace finalement qui va être assez intéressant et qui va être assez stratégique aussi. Voilà, donc bien joué. Yeah. Bah merci beaucoup, hein. C'était fou. C'était ouais plein d'actions et c'était chaud parce que ouais je suis tombé dans les vapes, j'ai eu mon moins 1, j'ai plus que 5 points de vie, on est d'accord, un truc comme ça, il doit avoir un point de vie, enfin on est vraiment mal barré. On n'a rien d'autre que du chevalox ou je sais pas quoi, du chevalium. Du chevalium. Du chevalium.
Putain, on va se retrouver, tu sais, avec des bouts de tissu, tu sais, enfoncés dans les plaies un peu partout sur le corps. Ça va être. Putain, on va ressortir de là et c'est pas 10 pièces d'or qu'il va falloir nous passer. Hein. Là, va peut-être falloir renégocier. Alors après ça, ils ont été costauds, les loups ont été costauds. J'aurais pu te les faire un peu plus light, mais écoute, on en est là. Et puis surtout que, voilà, encore une fois, tu as cette fissure à travers le mur opposé, donc il y a peut-être des choses qui vont s'y passer. Et voilà. Donc du coup, voilà, Je le sens mal, cette fissure. Je Attends. sais pas pourquoi, mais derrière, je le sens super mal. Ce sont donc les premières 3 pages du scénario que l'on a D'accord. aujourd'hui. Et donc voilà, donc tu as encore plein de choses qui t'attendent et je pense que ça va bien te plaire. Donc encore une fois, Yes. bien fait. Bonne stratégie sur les personnages et puis voilà, bah, j'espère que tu as passé un bon moment. Eh ben ouais, merci beaucoup, Matt. Bah Et écoute, puis de rien. Ciao. on se refait ça prochainement. Ça marche. On continue ça la semaine prochaine ou dans les prochaines sessions. Ça roule. Ciao, ciao. Et bah à bientôt, ciao ciao.